Renaissance Battle Bros se retrouve aujourd'hui pour la grande première de notre nouveau format, notre nouveau contenu. Un petit contenu très chill. Donc, très chillax, très posax. Installez-vous, ça va être chouette. Tous les trucs en axe, ça fait jeune. Les jeunes aiment bien les trucs en axe. Ouais, c'est vrai. Je crois, hein, je sais pas. Axe, comme le déodorant. Éclataxe. Ouais. Aujourd'hui, on va appeler ça Spatule Talk, parce qu'on est un peu américain et que j'aime bien mettre des spatules partout. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet, on va débattre, ça fait un peu un mode podcast disponible sur iTunes, Spotify. Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas une papote entre potes? Papote entre potes, c'est pas mal. Bon, ça fait un peu pinard et saucisson, mais c'est notre délire. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du MCU. Parce que dernièrement, on a eu pas mal de séries du MCU, même si tout le monde les a pas vues autour de la table, mais on a vu les films. On a vu Spider-Man No Way Home, on a vu la série Hawkeye. Avant, on avait eu WandaVision, Loki, Winter Soldier. Moi, je n'ai vu que les films. Shang-Chi. Ça, j'ai vu aussi. Les Eternals. Tout le monde a vu Eternals ici ? Non, je n'ai pas vu, mais... Et on se pose donc la question qui peut être légitime et que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le MCU a dépassé son âge d'or ? Est-ce que l'âge d'or est passé ? Est-ce que maintenant, ça risque d'être un peu éclaté ? Est-ce qu'ils vont réussir à s'extirper de la hype qu'ils ont créée ? Est-ce qu'ils vont réussir pour créer quelque chose de nouveau ? Un deuxième Infinity War ? Voilà. Est-ce qu'ils vont réussir ? Voilà. Moi, ce sujet m'intéresse grandement. Et j'ai envie de dire, dites-le dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous, Instagram. Et puis voilà, qui veut se lancer ? Qui veut se lancer tout de suite ? Juste une petite clarification, si je dis pas de bêtises, oui. Du coup, le dernier film de la phase 1... La phase 1 ? Enfin, la première grosse partie, là, c'était... l'Infinity Saga ? Ouais. C'était, le dernier, techniquement, c'était No Way Home. C'est pas Ant-Man ? C'est No Way Home ? Non, c'est pas No Way Home, c'était... Far From Home. Ah, je pensais que c'était Ant-Man. Far From Home. Maintenant, il y a une Ant-Man et la Est-ce que je peux faire une pause boisson ? J'arrive pas à ouvrir. J'ai pas d'ongle. Victor, il sait faire. Il faut le laisser, ça montre qu'on est humain, qu'on est... Bah, pas d'ongle. J'ai pas d'ongle, parce que je les mange. Je crois que c'est une maladie, ça. Toi aussi ? Bah ouais. Ou une mauvaise habitude, je pense. Mauvaise habitude. Je mange beaucoup, quand j'ai plus à bouffer, je bouffe mes doigts. C'est pas un problème. Voilà, bref. Prends les miens. Bon, déjà, est-ce qu'on peut parler déjà de... Ouais, Infinity Saga, qu'est-ce qu'on en a pensé globalement ? C'est quand même presque 10 ans de construction d'univers cinématographique. 23 films, je crois, 24. Un peu plus, 11 ans, je crois, c'est 11-12 ans. Je sais plus, c'était de 2008. Bah, c'est décennie. Iron Man, c'est 2008. Ouais, parce que ouais, bah, 2009, Hulk, c'est sorti. Hulk, qui compte pas dedans. 2019, si, il est dedans. Le premier Hulk avec l'incroyable Hulk, il est considéré dedans, mais... Je l'ai jamais vu dans les schémas de... Bah ouais, mais il est dedans. C'est le deuxième. Il se passe en même temps qu'Iron Man 2. D'ailleurs, c'est la Big Week de Nick Fury, parce qu'il se passe Iron Man 2, Hulk et Thor 1 en même temps. Ouais. D'accord. Plus ou moins en même temps. Et tu vois un agent du Shield qui vient dans Hulk. Et j'ai même pas révisé, je viens de te sortir ça, c'est le vrai nom en plus. Ouais. Voilà, d'ailleurs, il y a Coulson qui fait le lien entre les trois histoires, et surtout à la fin d'Iron Man, de l'incroyable Hulk, il y a Tony Stark qui se pointe. Voilà. Je l'ai dit juste avant. Avec le général Ross. Il fait un petit clin d'œil, vous avez toujours des costumes formidables. Ah, ouais, mais c'est de dos, je crois, il n'y a pas de la tête. Non, non, ah, si, il rentre de ouf, hein. Tu le vois. Il y a sa tête et Ah ouais, il rentre dans le bar de ouf. Tu le vois, c'est un vieux bar. Ok. Ouais. À la fin de Hulk. Ouais, c'est même pas une scène incroyable. On est partout, je suis un gros porc. Ça, on le laisse. Parce qu'on ronge ses ongles, on est des gros porcs. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce qu'on a bien pensé ? Moi, je trouve que ça a été mené plus ou moins d'une main de maître, quand même. Ça termine en... Il y a eu des demi-fours. Ouais. Mais globalement, la note est incroyable. En fait, l'arc, dans tous les cas, à partir du moment où t'appelles les Avengers, les films Avengers restent quand même un gros succès. Non, finalement, c'est le lien. Ultron reste un peu en dessous. Non, mais quand je dis un gros... Je parle d'un gros succès. Ça reste des événements, quoi. Et je pense que tout l'arc... Bah, tous les films Avengers... Ça a été vraiment un événement et épique à suivre. Quoi. C'est vrai que 2012, Avengers, c'était une dinguerie. Hein. Quand je suis sorti du cinéma, mais je croyais jamais voir ça. Une vraie dinguerie. Et je sais pas si vous avez revu la bande d'annonce, mais par contre, ça te ramène trop en arrière. Tu te dis 2012, c'était ça. La bande d'annonce, elle fait kitsch. T'as l'impression de voir Jason Bourne. Quoi. C'est vrai. C'est un truc de ouf. C'est vrai, mais même tu regardes les bandes d'annonces des années, début des années 2000, tu vris. Tu fais, ouais, mais c'est quoi ce direct de ça, les bandes annonces. C'était 2012, c'est ouf. Mais ouais, c'est vraiment une dinguerie. Après, tu dis, il y a des demi-fours. Il y a eu des demi-fours, mais il y a quand même eu de gros fours, hein, aussi. Non, mais globalement, Avengers, c'était une dinguerie. Voilà, le truc Avengers, oui, mais... C'était une dinguerie, mais déjà, le fait que ça existe, c'est une dinguerie. C'est ça, c'est surtout ça, en fait. Et puis le film était plutôt réussi, quand même. Le premier Avengers, ça a été une vraie claque, hein, vraiment, pour moi. Le budget qu'il y avait dedans... Et en fait, là où ça annonce vraiment l'Infinity Saga, c'est quand, à la fin, tu vois Thanos, donc a changé de gueule 6 fois entre-temps, mais tu vois Thanos se retourner. Moi, quand t'es fan de comics, toi, dans la salle, ah, c'est qui ? Moi, j'étais comme un fou, j'étais, oh, putain, Thanos, les bâtards ! J'étais là, je témoigne. Ah, j'ai fait la voix aiguë, comme si, oh, les bâtards ! C'était le gardien de la galaxie, non ? Non, on voit Thanos, la première fois, la fin d'Avengers,
annonce. Ah mais oui, générique. Mais oui, bien sûr. Oui. Ça termine en tout violet. Tu sais, terminer sur. Je crois qu'il y a eu, après les Avengers, il y a eu genre un film de la guêpe. Il y a eu Ant-Man, le premier Ant-Man. Il y a eu Ant-Man, c'était 2014, je crois. Et puis il y a eu un Spider-Man. Il y a eu Thor 2. Je déteste les films Spider-Man. Thor 2, avant. Mais même dans la phase 1, Thor 2 était éclaté. Hein. Ouais, Thor 2 était. Mais Thor, ça n'a jamais été des bons films. Même Iron Man 2 était pas ouf. Hein. Bah, Iron Man 2 et 3 étaient. Torture pas... Iron Man 2, 2 c'était nul. Iron Man, c'était un peu fou. Je trouve le 3 pas ouf, mais le 2, incroyablement nul à chier. Franchement, le 2 est pas bien. La plupart moi j'aimais bien ouais. Parce qu'il y avait Scarlett Johansson. Voilà, c'était pour le côté bof. Ouais, okay. Ouais, 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 je l'ai vu, on a non, laissé Iron Man 2, Thor 2 était pauvre. Mais par contre, le premier Thor était sympa et le troisième il déchire. Hein. Le Thor, ouais, le troisième. J'ai pas vu le troisième. Thor 3 est cool. On va recentrer le débat. On va partir phase 1, phase 2, phase 3. Comme ça, on est. Ouais, voilà, donc la phase 1 se termine avec Avengers, si je dis pas de conneries. Avengers 1, ouais. Avengers 1. Ouais. C'est après bon, les pierres d'infinité, c'est dinguerie. Et dans cette phase 1, on avait eu quoi? On a eu Iron Man 1, on a eu Incroyable Hulk, on avait Iron Man 2, Captain America, Thor et Thor 2. Ouais. Si je dis pas de conneries, on était là. Non, Thor, c'était avant Avengers. Hein. Je viens de dire. Phase 1. Ah oui, avant phase 1. Allô? Bon, dans tous les cas, Iron Man. Et le seul vraiment à jeter film. Là-dedans, c'était Thor 2. Et Iron Man 2 était pas ouf, mais Thor 2 était vraiment un chien. Il était même décevant, Iron Man 2. Iron Man 2 était très décevant. Parce que franchement, quand tu commences. Qui te sort sa nouvelle armure mallette, que t'as Whiplash, et après tu te fais chier. Ouais. Déjà Whiplash, c'est le pire méchant. Hein. Et tout ça. Non mais en fait c'est ça. Non en fait, mais la fin de la scène d'intro de d'introduction de Whiplash, elle est pas mal en vrai. Oui mais après sinon. Mais tout le reste du film. Le mec qui peut fabriquer une armure, il fait des fouets, pourquoi tu te fais des fouets connard. Fais-toi une grosse mitrailleuse. Et visuellement c'est beau. Ouais visuellement c'est beau. Mais bon. Iron Man il traverse. Non mais en fait, pour l'instant on est le premier arc. Vous me dites si vous êtes d'accord, mais le premier arc, c'est juste. Ah, c'est la découverte. Il y a plein de films de super-héros qui sortent. Il y a des bons, il y a des moins bons. Mais on s'attend pas à la dinguerie que va être l'arc 2, le deuxième arc. Quoi. Bah, le deuxième arc. Il... Mais globalement, c'est réussi. On est en pleine mode. Je peux vous rappeler les films du deuxième arc. Non, mais phase 2, rappelle-nous la phase 2, Vio. Alors, ça commence par Iron Man 3. Ouais. Nul à chier. Non, ça va. J'aurais des trucs à dire. Thor, Monde des Ténèbres, Captain America, Winter Soldier. C'était après Avengers, Thor 2. Ouais. Ah merde, autant pour moi. Mais elle coule pas. On ne peut pas tout savoir. Les Gardiens de la Galaxie. Ça a été bien. Et ça, par contre, voilà, par exemple, les Gardiens de la Galaxie, on partait dans l'espace. Quoi. Donc ça, c'était aussi un gros pas sur le. Parce que finalement, on était très terre à terre. On commence à sortir surtout des super-héros un peu obscurs. Parce que les Gardiens de la Galaxie, franchement, avant les Gardiens de la Galaxie, moi je connaissais pas. Et pourtant, je suis pas totalement. Moi je connaissais parce que je suis un geek. Mais l'équipe de base, c'est pas ça du tout. Non. Ouais, non, mais peut-être, mais dans tous les cas, moi je connaissais pas, et pourtant, franchement, je suis pas totalement un Yankee. Tu vois, je veux dire, voilà, j'ai une petite culture comics. Alors que maintenant, c'est vrai que Star-Lord, Gamora, Groot. Ça commence à devenir. La pop Groot. Bah, le plus connu, c'est Rocket Raccoon dans le truc. Oui, Rocket Raccoon et Groot, c'était un peu les mascottes. Rocket Raccoon, il est partout. Hein. D'ailleurs, dès qu'il y a eu un crossover Marvel quelque part, genre Marvel vs Capcom, il y avait Groot, Rocket Raccoon, donc. Il y a toujours eu Rocket Raccoon. Pas dans le premier, mais dans le 2 et 3, il y avait Rocket. Ensuite, il y a eu Avengers, l'ère d'Ultron et Ant-Man, donc de 2012 à 2015. Bon, moi, dans cette phase 2, elle était pas ouf. Elle était vraiment pas ouf, la phase 2. C'était pas ouf, mais... À part Winter Soldier. Winter Soldier était cool. Winter Soldier, c'est dedans. Ouais, c'était le troisième film. Bah moi, Winter Soldier, tu vois, je l'avais pas aimé à la base. Ouais. Et quand je l'ai revu avec après Infinity War, je crois, ou avant Infinity War, et ben c'est vrai qu'il est un peu plus agréable. Mais c'était pareil pour Captain America. Moi, Captain America, fallait... les films ont passé, j'ai appris à l'apprécier, mais le premier visionnage c'était un peu osef, tu vois. Bon, déjà c'était film de guerre, tu vois, Captain America. Ah, mais le premier, il avait une vibe un peu Indiana Jones. C'est ça. Ancienne, tu vois. Mais c'était vraiment, je m'attendais à mieux pour du super-héros. Ouais, mais tu vois, les deux arcs, je les dissocie pas particulièrement, quoi. C'est des nouveaux super-héros qu'on a connus à travers les comics ou les animés pour ma part, mais tu sais, l'arc se dessine tout doucement, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans le vrai buzz. Quoi, on est encore dans le teasing. Dans le teasing, etc. Ça reste Moi, je veux revenir sur la polémique Iron Man 3, là. Parce qu'il y en a qui disent qu'il était bien. Non, ça va. J'ai dit que j'avais des choses à redire, mais je pense que je pourrais les redire plus tard. Après. Voilà, parce que moi, je reviendrai parle de la douille du mandarin. Ah non, mais ça, c'était pas... La bande-annonce était mieux que le film. Qui revient dans Shang-Chi. Ouais, mais la bande-annonce était mieux que le film. Sans déconner, moi je voyais la bande-annonce, même les affiches elles étaient ouf, tu vois Tony Stark blessé et tout. Ah, ça va être une dinguerie, en fait c'est un espèce de buddy movie. Je pense que tu parles en tant que fan de comics et qui connaît le mandarin. Rien que la bande-annonce ça promettait une dinguerie. Oui, mais moi je trouve que le piège a été plutôt malin, etc. Et je pense que Iron Man 3 en tant que film
parce que moi, du coup, ça va, tu vois, j'avais pas la culture, tu vois. Mais le 2 est bien pire que le 3. Ouais. Vraiment. Ouais, je t'assure. Mais pour revenir sur le mandarin, bah déjà, c'est le grand némésis de Tony Stark à une époque. Normalement, ouais. Et notamment, il avait été beaucoup plus connu avec la série en CGI là, de Iron Man. Ouais. Mais pareil, il avait rien à voir avec le mandarin. Ouais, Armored Adventure. Et où le mandarin est dedans avec les anneaux. Ouais, et tout. Mais il a une grosse armure, ça n'a rien à voir avec le vrai mandarin. Normalement, c'est le délire, c'est technologie contre magie, tu vois. Bah non, bah c'est ça. Mais là, il a comme une grosse armure, toi. Dans tous les cas, ça amène du super-héros collector qui prépare finalement une team incroyable pour les Avengers. On a les plus grands super-héros. En vrai, ouais, la phase 2, je trouve, c'est vraiment juste des petites histoires pour faire des bandes annonces, pour patienter. C'est ça. Un peu avant le prochain Avenger. C'est tous les spin-offs, les premiers épisodes où comment il y a eu ses pouvoirs lui, il y a que le Ant-Man qui servait un peu à rien dans le bah, mais Ant-Man c'est qui servait pour plus tard Ant-Man encore, il est dans le tiers de Spider-Man en vrai. Ouais. Il est un peu film humour décontracté à côté. Et pour revenir, il y avait aussi en vrai c'était une déception pour les fans de comics je pense et mais c'est qu'on a nous avons vu un Civil War. Ah oui, Civil War, mais c'est phase 3 ça. Ouais. Non, c'est phase 2 avant. Civil War c'est phase 2. Ah non, non, j'ai rien dit. Ouais, ah non, Civil War, c'est après Avengers 2. Ouais, excusez-moi. C'est phase 3 qu'il a introduit Spider-Man aussi. Tu peux pas tout savoir. Non, on n'était pas encore à la phase 3. Non, on était encore sur la phase 2. Moi, je pense que la phase 2 était nulle. Le meilleur film, c'était quand même Captain America 2. Bah, moi, je trouve que c'était Gardien de la Galaxie. Ah oui, Gardien de la Galaxie, autant pour moi, j'ai oublié Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie, j'ai quand même trouvé la deuxième partie très faible. Avec le méchant. Ouais, zéro charisme, méchant. Le plot où c'est Drax, je crois, qui. Ouais, le film marche trop bien. Le début marchait trop bien. Des faiblesses de ouf. La musique, mais la deuxième partie le dance off à la fin, c'est cool. Les gars fonctionnent, les personnages sont attachants. Mais voilà, surtout, par contre, NovaCorp. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de NovaCorp. Et Chris Pratt, c'est ça. Chris Pratt, avant, ça a toujours été le gros rigolo. Ouais, ouais. Et puis maintenant, ils ont fait quand même le pari d'en faire un beau gosse. Quoi. Introduction de Pierre d'Infinité aussi. Oui, là, c'est là qu'on a le vrai terme. Non, le vrai terme, c'est dans Thor 2. Oui, mais on voit la pierre. Ouais, on voit la pierre. La première pierre, c'est le cube. Non, mais dans tous les cas, la pierre est vraiment dans le scénario. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. Je crois qu'il y a le collectionneur dans la première. Il y a Thanos qui revient avec la pierre. Et donc. Et Thanos qui a pas la même tête encore. Oui, en fait, design. Non, les Gardiens de la Galaxie, c'était cool parce que ça ouvrait vraiment l'horizon. On voyait vraiment autre chose. Un truc qu'ils n'avaient pas trop réussi à faire avec Thor. Alors que mais c'est ce que Thor, c'était. C'est ce que j'ai dit exactement. Ah, ils ont eu tort là-dessus. Malgré Thor. non, mais c'est ce que j'ai dit, je pense, en regardant Varobas. C'est vraiment que c'est le premier film où tu pars dans l'espace. Alors que même, il y avait eu deux Thor, où il n'y avait pas. Même avec les téléportations et tout, il n'y avait pas eu ce côté multi. Space Opera, ouais. Multiplanète, quoi. Multiculture, multi. Un peu nul. Il n'y avait pas d'extraterrestres, en fait. Il y avait des Chinois, mais. Il y a un film qu'on a raté, lequel on a raté. En fait, ouais, il y a eu. Attends, il n'y a eu que 4 films en face. Non. Il nous avait dit parce la phase qu'il y a Iron Man 3, Iron Man, Thor 2, Captain America 2, Avengers 2 et Ant-Man. Avengers 2 et Ant-Man. Ouais, Ant-Man, en plus, c'était après Avengers Ant-Man qui est sorti. Ant-Man, donc en fait, quand Ant-Man il arrive, on s'en bat les couilles. Même si au début, à l'époque, quand ils avaient annoncé, on était hypé parce que c'était censé être le mec qui a fait Scott Pilgrim. Là, comment il s'appelle celui-là qui a fait Scott Pilgrim. Que tout le monde kiffe là. Comment il s'appelle ce réalisateur? Oh, j'ai honte. Edgar Wright. Normalement, ça aurait dû être Edgar Wright, mais ils l'ont dit non, mais ta gueule parce qu'ils voulaient pas mettre de caméo de Falcon dans Ant-Man parce que Ant-Man, tu sentais vraiment qu'ils étaient arrivés en bout de. Vas-y, on n'a pas de budget. De toute façon, Ant-Man, il y a toujours jamais. Avenger low cost. Bon, entre temps, Black Lives Matter est devenu. Bankable, tu vois. Mais à la base, Faucon, on s'en battait les couilles. C'est vrai. Tu veux voir, il va attaquer le QG des Avengers, t'as envie qu'il se frite avec Iron Man, tu vois. Mais le Faucon, non, il va se frite avec le Faucon, il pue la merde. Ça te dirait de faire la connaissance. Bah non, mais le brésilien. Il n'y a pas de pouvoir, il est juste balèze. Voilà, Ant-Man, c'était vraiment bof tier. C'est vraiment le film du dimanche, quoi. Bah, c'était rigolo, quoi. Ça introduisait aussi la dimension atomique, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, mais c'est vraiment vas-y. C'était sympa, mais dans tous les cas, en termes de timing, tu vois ce que. En termes de super-héros, tu voyais qu'elle est arrivée, etc. Alors, même si dans les Avengers, il y a un pouvoir un peu stylé, et puis finalement, il y a un peu balèze, mais ça vaut pas un Iron Man, ça vaut pas un Captain America, c'est ça vaut pas, voilà. Mais c'était mauvais timing, mais le film, en soi, il est totalement digeste. Mais il était Joseph à ce moment-là. J'ai pas été le voir aussi, là, je vois. Je me suis pas précipité. Non, mais il souffre d'être Ant-Man, en fait. C'est juste le super-héros, il y a un peu de l'homme fourmi, bon, ça fait pas rêver. Non, mais c'est cool, en plus. Moi, je regrette qu'ils aient pas pris le vrai Hank Pym. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que le personnage d'Hank Pym est super intéressant. Le mec, c'est un connard, il bat sa femme et tout. C'est vraiment un fils de pute. C'est qu'on est vraiment pas surpris. Et là, on
mais on l'a pas mis trop là-dedans. Même après, si Michael Douglas, il est un peu vénère, tu vois, mais c'est pas un fils de pute, tu vois. C'est pas sûr qu'on... Ça serait pas sûr qu'il ouais, serait allé aussi hard, parce que par exemple, Iron Man, tu vois, ils l'ont complètement changé hein, en termes de personnalité. Hein. Ah, c'est pas si éloigné. Hein. Ah ouais, tu trouves ? Ah, franchement, c'est pas si éloigné. Bah, moi, le personnage est moins sombre. C'est sûr. Bah, il est moins sombre, il est moins antipathique. Parce que dans les comics, des fois, il fait des dingueries. Mais je fais, bah quoi, c'est le truc logique à faire, tu vois. Mais là, dans les films, il est vraiment ad-friendly, mais tu reconnais Tony Stark quand même. Ouais, ouais. Alors que Hank Pym, c'est pas Hank Pym. Si, Hank Pym, on l'a vu dans les. Je sais pas si vous avez vu les What If. Non, il y a un épisode de What If où Hank Pym il bute tous les Avengers, il devient méchant parce que sa fille est morte. Mais non, mais il y a Hank Pym. Là, c'est Hank Pym, là, j'ai dit d'accord. Mais il y a Hank Pym, mais il est à la retraite, quoi. Il est ouais, mais c'est pas Hank Pym des comics, c'est vraiment un fils de pute. Oui, oui, mais. Là, c'est juste, il est caractérisé, il met des patates. En vrai, c'est un fils de pute, le vrai Hank Pym. Bref, Avengers c'est... 2, du coup. Nul. Bah, en fait, Avengers 2, nul, c'est. Ouais, il est pas nul. C'est juste qu'Avengers 1 avait mis la barre tellement haute. C'est une bande-annonce du Avengers 3. Ouais, voilà. Et c'est un peu dommage. Et en fait, moi, je trouve que la connerie. Bah déjà c'était Josh Whedon, celui-là il peut être bon comme il peut être nul. La connerie c'est d'avoir mis les Maximoff en fait. Merci. Merci la vie de WAM. En vrai ils servent à rien. Tu l'as pas vu celle-là. En vrai, d'argent, il a en plus, rien, en plus, ils sont emmerdés, c'est juste pour dire ouais, il y a le côté droit d'auteur. Bon, on a droit parce qu'à la base c'est un personnage des Avengers et des X-Men, donc on peut utiliser le personnage. Par contre, on n'a pas le droit de l'appeler Vif Argent ou ce que tu veux. Et en fait, comme ils pouvaient rien faire avec, parce que sinon ça serait oh mais c'est pareil que dans les X-Men. Du coup, le personnage il sert à rien, il est nul. Mort comme une merde. Il est nul à chier. Et puis la Wanda, finalement, elle sert pas à grand chose non plus. Tu vois. Non, dans le film, je trouve que c'était nul. Et même l'intrigue d'Ultron. Ultron aussi il était nul. Hein, ils l'ont un peu trop cramé vite. Ultron il était stylé, mais c'est tout en fait. Ah ouais, bah, tout le reste autour c'était James Spader. Dans tous les comics où j'ai vu Ultron, il était beaucoup mieux. Hein. Bah, ah, ça, comics, raté, ça a raté, bah, mais ça amène encore vers. Ça amène à une fin. Bah ouais, mais c'était juste là, tous les événements ils étaient là pour dire hey, il va y avoir Civil War. C'est ça. On introduit vite fait le Wakanda. Et ça, c'était un peu la phase un peu où ils sont un peu reposés sur leur laurier à teaser tout le truc. Et je trouve que ça l'a un peu moins fait dans la phase 3, du coup, ouais. Ce côté-là. Je pense qu'on peut y passer, d'ailleurs, la phase 3, là. Phase 3, vas-y, qui commence par Civil War. Civil War avec on peut en parler tout de suite. Non, bah, ouais, vas-y, on parle de tout de suite. Moi, Civil War, j'ai bien aimé. Alors, je sais que comparé aux comics, c'est de la merde. Hein. Ouais, mais, Retour de Spider-Man, quand même. Je me souviens de la bande-annonce. Et franchement, la bande-annonce de Spider-Man qui est tombée. Franchement, j'étais comme ouais, moi aussi. Alors là, je me suis fait avoir, j'ai fait le Yankee, hein. Mais j'ai vu Spider-Man et le bouclier qui m'a fait Aïe, everyone. J'ai fait oh les bâtards, ils l'ont fait. Voilà, moi vraiment, déjà, alors même si j'aime beaucoup Andrew Garfield et j'aime beaucoup le Spider-Man qu'il incarne à travers Tom Holland. Je parle vraiment d'Andrew Garfield. J'ai beaucoup aimé le Spider-Man des Amazing, même si je trouve que c'est pas des très très bons films. Mais j'aime beaucoup le Spider-Man. C'est celui qui ressemble bien plus à celui de la série animée que je regardais. C'est comme ça que j'ai aimé Spider-Man, mais il était déjà en trop. Tu vois, déjà, franchement, quand les Spider-Man Amazing sont arrivés, j'ai dit, ouais, c'est encore un nouveau Spider-Man. Ah. Et ben là, la fatigue, elle était encore plus. Et Tom Holland, en vrai, Tom Holland, alors j'aime bien, il y a une bonne gueule, il ressemble à Astéro Kid un peu. Ouais, c'est vrai. À Clément loin, Vincent, Clément Vincent, réalisateur big up, parisien que j'aime beaucoup. Skyrush, il est big up. Mais Tom Holland, il était en trop, tu vois. Vraiment, Tom. En fait, merde, ça aurait été Andrew Garfield ou encore Tobey Maguire, j'aurais été. Il fallait justifier que ça soit. Oui, puis en plus, ça aurait pas trop marché, parce que ça, là, à l'époque, ça serait un vieux briscard. Oui, oui, non, mais je sais que ça rentre pas. J'ai mais en fait, c'est ça m'a saoulé de revoir un troisième Spider-Man. Donc, on allait revoir encore trois films Spider-Man, et en l'occurrence, les. Ouais, mais à l'époque, autant je suis d'accord avec toi, ce qu'ils ont fait après, c'était pas ouf. Mais à l'époque, moi j'étais en mode fanboy. Là, pour le coup, j'étais vraiment une. Ouais, j'imagine. Je me dis, tiens, il va y avoir des crossovers, on va avoir un Spider-Man Hulk qu'on n'a jamais eu, bande de chiens. Vous avez pas fait ma scène Spider-Man Hulk, alors que dans les comics, c'est incroyable. On va avoir du Spider-Man, Iron Man, ça va être stylé, tu vois. Ouais. Je me suis dit ça. Mais par contre, en reparlant, on se trouve que Civil War, c'est peut-être l'un des derniers films Marvel qui avait un peu ce syndrome de la phase 2, tu sais, de teaser des trucs, parce que ça tease, ouais, ça tease Black Panther, ça tease Spider-Man. C'était un peu galère. Là on commence, je sais pas vous, hein, mais moi je commence à être fatigué là. Ouais, phase 3, je commence à être. Tu sais, je commence à louper des films au cinéma. Tu vois ce que je veux dire vraiment. J'avais commencé à la phase 2 déjà, moi. Phase 2, j'étais encore un énorme Yankli, mais peut-être que ça s'est amorcé à la phase 2, mais à la phase 3, en tout cas, ça s'est confirmé, j'ai commencé à arrêter d'aller systématiquement au cinéma et à sortir ce fameux discours les films de super-héros. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Ça commence à me saouler véritablement. Bah moi je l'ai pas vu au cinéma, je crois que c'est un des premiers que j'ai pas vu au cinéma. T'étais pas venu avec nous voir Civil War ? Non.
On est pareil en fait. Je vais le voir deux fois parce que je te dis, je suis. Et alors moi, bon ouais, moi j'avais eu boum coup de derrière la nuque dès que j'ai vu le plan de 5 Mike sur un tarmac. J'avoue, parce que surtout quand tu connais les comics, en fait, oui, c'est une vraie guerre quoi. Là sur l'aéroport, c'est un peu chelou. Et j'avoue que j'ai eu exactement le même feeling que Barbas quand j'ai vu Spider-Man, j'ai fait encore un, puis je me suis dit, il va pas faire un peu pâle figure ce genou lycéen par rapport aux autres. Et bref, moi j'ai pas été hype par Spider-Man du tout quand il est apparu. En plus, rappelle-toi, le costume est en CGI. Le regardes, ah d'accord, alors ses paupières c'était un peu stylé parce qu'ils allaient pouvoir un peu faire des expressions. Et je trouvais que c'était une bonne idée, ce qui amène déjà Deadpool avant finalement, tu vois. On voit les expressions à travers le masque. Et là, j'ai dit, ah, c'est intéressant. On va pouvoir voir des... Mais le costume est en CGI, etc. Et même l'introduction est un peu chipo. C'est Tony Stark dans un appart. C'est ça. J'entends pour un fan de comics, ah putain, l'unité Spider-Man qui débarque, ça va pouvoir amener ça, parce que vous avez le background et la culture. Vous savez ce qui se passe, tu vois. Mais pour un gars Yankee comme moi qui, hop, d'accord, Spider-Man est revenu. Le costume en plus, il est en CGI. Tom Holland, je trouve qu'il y a zéro charisme. C'est pas vrai, mais... Et c'est pour la peine que je suis même pas allé voir des Spider-Man au ciné. Et en fait, on a vu ce que ça a donné. On en reparlera sûrement des Spider-Man. Mais par contre, le film, donc je l'ai vu plus tard, il m'a pas déçu. Et c'est vraiment un film Captain America. Civil War au même titre qu'un Avengers, c'est un film Captain America. Mais je rejoins encore le chef. Là, on commence vraiment à ressortir le truc série. Où les films sont de moins en moins unis. Ils ont besoin des autres pour vivre. Ouais, quoi, en plus, moi à l'époque j'avais aimé parce qu'au même moment, il y avait dans la même, à peu près la même période, il y avait Batman versus Superman. Ouais. Et autant la principale critique que j'ai fait à Batman Superman, c'est que la confrontation elle est pas tellement justifiée, tu vois. Il y a pas tout le background derrière, mais la confrontation Captain America Iron Man, c'était quand même un truc qui courait depuis longtemps. Elle s'est construite avec tous les films et tout. Ouais. Donc ça marchait, tu vois, ça marchait mieux. Et pareil, le truc qui m'a un peu déçu par rapport à Spider-Man, parce que quand j'ai vu l'annonce de Spider-Man, quand tu connais Civil War, Spider-Man, c'est un personnage... En vrai, il y a trois camps dans les comics, ouais, j'étale ma science. Il y a le camp de Captain America qui est contre la loi, il y a Iron Man qui est pour la loi, et au milieu, t'as Spider-Man qui sait pas trop quoi choisir, et qui va dans le coin d'Iron Man, et puis qui se démasque devant tout le monde, et tout, il y a tout un tas de délire. Donc moi, je pensais que ça allait être un peu ça le machin, mais en fait, ça n'a pas du tout été ça du tout. Donc j'étais un petit peu déçu de ce côté-là. Mais sinon, le film, par rapport au personnage, il marchait bien. C'était pas aussi... aussi ouf que ça, mais c'était quand même un peu stylé. Ah, le schisme entre Captain et même Iron Man, je trouve qu'il rendait bien. La justification est un peu bidon. Oui, mais je trouve que franchement, quand ça commence à se taper sur la gueule, tu dis « Oh, merde !» Enfin, se dire, c'est le plan du méchant, Zemo, il arrive. Oui, en fait, je voulais les amener jusque-là pour que Iron Man voit que Bucky a buté sa mère. Et vraiment, quand ça commence à... Ça fait quand même deux films que Captain America est là, mais laisse-le, Bucky, les trois... Ouais, c'est un peu ridicule, ouais. C'est bon. Ouais, quand le schisme arrive et que les premiers coups ça je trouve que ça marche, alors c'est peut-être pas ce qui est le plus parfait, c'est éclaté Captain America, on commence à se sentir dépassé par les événements, tu vois, merde, oh putain, ça se bagarre, arrêtez de vous battre, tu vois, et je trouve que ça fonctionne clairement. Mais pour revenir du coup, là je voulais reparler de Iron Man 3, ouais, Avengers, Ère d'Ultron et Civil War. En fait, Tony Stark à la fin d'Iron Man 3, je veux parler de l'évolution de Tony Stark. Donc dans Avengers, il rencontre Captain America, il y a cette fameuse scène « Qu'est-ce que t'es sur ton armure ?» Il lui balance punchline sur punchline. « Ouais, je suis un milliardaire, philanthrope, génie. » Bon, Iron Man 2, il fait toujours « Ouais, je suis un peu là et tout. » Iron Man 3, c'est après Avengers du coup et tout, où il a ce traumatisme, cette vision et tout de tous les Avengers déglingués. Il fait « Viens me buter, chacal !» et tout. Il se fait latter, il commence à être « Je suis rien sur mon armure » et tout. C'était intéressant, je trouvais, toute cette période très, d'angoisse. Très intéressant. Ça, avec c'est aussi sa relation avec la Rookwood, là, aussi. Parce que c'était... Pepper Potts. Ouais, elle est en danger dans le 3. Oui, mais tout ce truc où il se met en danger volontairement, où il cherche un peu à s'autodétruire, où il cherche à sauver ses amis, sa relation avec l'armure qu'il a. Et après, dans Avengers Era of Ultron, ça... rase tout ça. Bah oui, parce qu'à la fin de Iron Man 3, tu l'as pas vraiment dit, mais je vais le répéter pour l'audience. À la fin d'Iron Man 3, il fait j'ai plus besoin d'armure, toi. Et donc, c'est une connerie, hein, parce que s'il avait son réacteur arc et il tue toutes ses armures. Mais sachant que s'il avait 200 armures dans la cave, pourquoi il les a pas sorties dès qu'il a eu un blème, tu vois. Bah oui. C'est vraiment hop. Mais du coup, Avengers Era of Ultron, ça a balayé tout ça. Bah il est redevenu très immature et débile. Et première scène d'Age of Ultron, c'est j'envoie mes drones. Tu vois plein de drones qui attaquent Hydra, tu te dis ouais, d'accord. Et c'est ça. Et donc dans Civil War, il y a aussi une espèce de. Bah, il se sentait coupable. Parce qu'il y a la meuf qui vient dire ouais, mon fils est mort au Wakanda. Ouais, et pas au Wakanda. Autre part.
C'était quoi le... C'est dans... Sokovie, c'est dans l'Est. Ouais. Mais du coup, même le conflit fait... En fait, c'est fou qu'ils aient rasé totalement l'avancée de Tony Stark et qu'en fait, il l'ait remis en 2012 et figé. C'est vrai, c'est pas faux, ça. Et c'est très dommage. Et donc, c'est pour ça que je parlais, parce que moi, j'avais beaucoup aimé la... Bon, le film d'Iron Man 3 est pas ouf, mais j'avais beaucoup aimé l'évolution de Tony Stark au fil des films. Ouais. Ils ont rasé ça dans Iron Man et dans Civil War... Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'il s'est totalement rasé ça, parce que oui, dans Civil War, d'accord, mais après, avec Spider-Man, il est revenu à ce truc-là, Tony Stark, quand même. Il était pas totalement bloqué. Je suis assez d'accord. Il est revenu en mode, vas-y... Il y a une certaine inconstance dans l'écriture du personnage. Ouais, même voir Tony Stark devenir la pute du gouvernement, c'est une régression, en fait, j'ai trouvé. Parce que dans Iron Man 2, il arrive devant le tribunal, il fait, j'ai privatisé la prime mondiale, niquez vos mères, tiens. Et là, il fait, vas-y, ok, d'accord, c'est signe. C'est ça, non, mais c'est régression, je trouve. Ensuite, après Civil War, on a eu quoi? Doctor Strange. Ah, Doctor Strange. Trop bien, Doctor Strange. J'ai adoré Doctor Strange. C'est pas un film de ouf. J'ai trouvé que celle-là, les chorégraphies de combat, elles commencent à être bien vénères. Je trouve les mises en scène. C'est ça, les mises en scène avec la magie. Déjà, ça a introduit la magie. Ça a introduit la magie et un héros quand même. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé Doctor Strange. Cumberbatch, j'en avais un peu marre. Parce que c'était un peu l'acteur des meufs qui font des fanfictions. Ouais, un peu, ouais. Charlotte, pourquoi des meufs Doctor J'ai Who, fait des fanfictions. Il est anglais, je l'ai bien apprécié dans son rôle de chirurgien hautain, arrogant. J'ai bien apprécié comment ils ont introduit, c'est pas le Tibet, c'est... Kamartage. Népal, ouais, bref. Et moi, j'ai très beaucoup aimé. j'ai kiffé, franchement. Ça a emmené plein les yeux. Sympa. C'était bonbon. Après, fallait se dire... Vu la force du personnage, comment ils vont l'amener dans le reste et tout. Ouais. J'ai fait la paix avec le cinéma. Il y avait aussi le lien avec la pierre là. T'as vu, je fais la pierre comme ça. L'œil d'Agamotto qui devient une pierre d'affinité. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt... une invention totale. Oui, mais c'est plutôt bien amené pour le MCU. Du coup. Ouais. Moi, je vais toujours dire par rapport aux comics, je suis le référent comics. Mais Strange, c'est pas un échec. Franchement, le film. Non, mais après, il reste presque hors continuité. Oui, mais par contre, tu le mets ailleurs. On s'en bat les couilles de quand il se passe. Après, il y a quoi? Donc je passe direct après. Des Gardiens de la Galaxie volume 2. Ah trop bien, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de défauts hein. Mais j'ai dû le voir. Je pense que je l'ai préféré au 1. Et ben je l'ai préféré au 1 aussi. Moi j'ai été une grosse pute sur Gardiens de la Galaxie. On avait fait une review. Ouais, vous étiez fait insulter parce que les gens nous aiment pas. Trop bien la vérité. Moi j'ai kiffé, mais en plus parce que vraiment, c'est les Gardiens de la Galaxie, c'est presque les seuls où t'as des vrais parties pris visuels. C'est ça. Bah, pas faire le cinéphile toi, mais non mais tu prends vraiment une claque quoi. Il se passe des trucs que tu des scènes que tu verrais pas ailleurs. Celui-là il était trop bien. Les musiques collaient encore mieux. James Gunn, juste bébé Groot, va niquer ta mère. James Gunn, c'est un peu un autre Tim Burton, quoi. Tu vois, c'est que c'est tellement marqué leur visuel. Ouais. Tu vois, là, je sais pas si vous avez regardé The Suicide Squad, mais c'est James Gunn, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est James Gunn, c'est son travail qu'il a fait sur Thor 3. Mais voilà, Thor 3, bon, d'accord, c'est James Gunn qui est derrière, quoi. C'est pas James Gunn qui est sur Thor 3. C'est Taika Waititi. Je le savais. Mais pourquoi pas? Non, mais moi j'aime bien parce qu'en plus, comme ça se passe pas sur Terre. Et eh ben tu sens qu'il peut faire un peu plus ce qu'il veut, tu vois. Il y avait Stallone, putain, il y avait putain de Stallone. Stallone, il y a même des scènes que j'ai kiffé, etc. Il y a Yondu là quand il siffle, etc. Bah ouais, c'est trop excitant. C'est excellent. Bah, ils l'ont au power up, mais même les références. Niqué, moi je trouvais que tout était mieux qu'un. Les références pop culture, le placement des musiques, les plans. Le rythme du film aussi. Le rythme. Mieux que le 1. Le 1, il y avait des. Ils nous ont ramené Ego et tout, ils l'ont changé, j'en avais rien à foutre, c'était trop bien. Tout était trop bien. J'étais une pute avec ce film. Il y avait le délire des célestes, à un moment donné, on nous fait croire qu'on va parler d'éternité. Ouais, Stanley, là, sur son astéroïde. Oui, on voit tout. Il nous tease l'autre, là. Adam Warlock. Adam Warlock. Pour l'instant, c'est apparemment, il sera dans le 3, mais comme entre temps, il s'est fait virer James Gunn et ils l'ont repris. Bon, c'est pas l'idée la plus populaire que Gardien de la Galaxie 2 est meilleur que le 1, mais oui, mais c'est pour ça vous m'avez surpris. Je sais pas qu'il est meilleur, on dit qu'on l'a préféré. Ah bah nous deux on l'a préféré. Ouais. Nous ne sommes que des humbles consommateurs. Moi je suis une pute, je m'en fous, je suis une pute. Là-dessus, je le dis, c'est le seul. Moi j'ai pas eu cette perte d'envie de voir le film au milieu quoi. Le méchant et tout. Quand ça part, c'est presque du God of War quand ça commence à se taper là. Ça termine en Pac-Man, ça n'a aucun sens. Donc Gardien de la Galaxie 2, bah on est tous d'accord pour dire qu'on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Je veux dire, il était trop cool. Bon, il y a des en vrai scénaristiquement aussi, tu peux chercher des défauts. Non, mais bien sûr. C'était trop bien. De toute façon, on parle de film Avengers. Mais le film est jouissif. Ouais. Non. Sans être poussif et ça rime. C'est ça.
Moi, je te parle juste de l'expérience, je suis reparti avec le sourire. J'ai dépensé trop d'argent dedans. Et après, on a vu quoi, vas-y? Notre référent Wikipédia. Spider-Man Homecoming, premier Spider-Man. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est tellement pas Spider-Man de ouf. Moi, je trouve que justement... Trop d'oseille. Moi, je m'attendais à encore voir la même histoire de Spider-Man galère et tout. Et là, pour une fois, ils ont tout changé. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Mais c'est l'essence du personnage. Bah oui, mais justement, justement, avec ce qu'on a vu avec... le dernier, là. Ils ont déconstruit ça, justement. On en reparlera après. Mais moi, je trouve chiant parce que Peter Parker, qui a du succès avec les meufs. Comment ça s'appelle? MJ, ils l'ont appelé MJ. Mais c'est pas... vous avez pas vu le film? Non, si. Quoi tu parles? Dans Homecoming, il rague une meuf, c'est pas MJ, c'est une meuf. Ah oui, la pop-up girl du lycée, c'est lui qui il arrive direct, c'est beau gosse et tout. Donc, normalement, c'est pas Peter Parker, même si après il gagne confiance en lui et tout. Ouais, mais t'as raison. Il est charmant, mais c'est pas le Playboy, tu vois. Là, c'est vraiment le Playboy. Il est charmant. Oui. Ça, le gars. À aucun moment il a des problèmes d'oseille. Un petit peu quand même. Que dalle, non, rien du que dalle. Enfin, ça tente, mais. Le seul truc, c'est qu'il planque ses machins sous son casier et qu'il doit faire ses trucs de chimie en piquant le truc de l'école, mais à quoi un moment il a des vrais problèmes de la vraie vie. Son problème de la vraie vie, c'est de niquer la meuf. C'est vrai, hein. Peter Parker, même en parlant des comics, le gars il fait putain, faut que j'aille battre Octopus, mais putain, faut que je me dépêche, faut que je paye mon loyer, tu vois. Il y avait des vrais problèmes, il y avait des vrais dilemmes. Ça va. Là, son dilemme dans le film, c'est je suis Iron Man Junior ou pas, tu vois. Est-ce que je suis digne d'être un super-héros ou est-ce que j'ai besoin du costume? Je trouve que c'était intéressant. Ça peut être intéressant, mais ça n'empêche pas à côté de lui mettre des vrais problèmes. Bah oui, mais les vrais problèmes, justement, ils les ont. Non, je trouve qu'il était trop. Moi, je trouve que le fait qu'ils aient fait ça. Oui, mais ils l'ont rattrapé après, mais là, à l'instant T, là, je fais abstraction. Au moment où je l'ai vu, ça m'a dérangé. J'ai dit, ok, c'est différent. Je me suis dit, c'est rafraîchissant. C'est différent. Ouais, mais c'est pas intéressant. Moi, c'était décevant. Moi, ce que j'ai pensé du premier Spider-Man et de tout ce qu'a fait Tom Holland avec ce personnage-là, c'est que en fait, Spider-Man, ça y est, on le connaît, on le rince par cœur. Il y a cinq films sur sa gueule déjà. Ils sont arrivés, ils ont dit, écoute, on va pas refaire tuer l'oncle Ben, ça sert à rien. Donc ils ont pris tous les choix. Qu'ils ont été des choix. C'est peut-être judicieux de nous faire un Iron Man avec un costume électronique, de nous faire. J'ai dit électronique, ouais. Grosso modo, ils ont fait tout ce qui n'a pas été fait avec les anciens Spider-Man, les cinq précédents. Donc, c'est cool, mais c'est pas intéressant. Voilà. Et franchement, le film, il est un peu oubliable. Même le méchant, le faucon. Là-dessus, je suis d'accord. C'était de la merde. Franchement, le faucon, il a été sublimé quand même. Ah, mais il a été sublimé, certes, mais. La scène dans la bagnole, tu sais, où il faut un petit coup de pression et tout ça, elle est pas mal. Franchement, je le sens pas. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas senti le danger, tu vois. Bah, c'est Michael Keaton. Mais franchement, c'était trop bien. Si, il se fait écraser par les rochers, et puis, tu vois, ça aurait pu être bien. Mais avec. Avec Andrew Garfield. C'est décevant de ouf, tu vois. Ouais, par exemple, il y a la tante May, ils sont dans le rapport. Déjà, la tante May, tu vois, enfin. Tante May, quoi. Ouais, Tante May, mon gars, c'est de ses mifs de ouf. Mais non, mais ça change. Mais non, mais c'est... Mais Acerca, ça, par contre. Hein, dans le dernier, on en reparlera, mais elle est là. Pour moi, Tante May, c'est elle qui a énormément de problèmes de thunes, qui cache à Peter Parker. Pas de problème, qui est bienveillante et tout, alors que là, c'est vraiment presque ta copine, quoi. Le Spider-Man, dans les dessins animés pour gosses, il a plus de problèmes. Ah, mais de ouf, c'est un problème. Aucun problème. Et ça me fait chier de le voir au lycée. Mais le à la fac. Limite, on se demande pourquoi c'est un super héros, tu vois. Il est pas spécialement intelligent, il est beau gosse, populaire, sportif. Si, c'est intelligent, c'est pas trop mis en avant, mais c'est une tête quand même. C'est pas mis en avant, et c'est parfois sorti du cul, tu vois. C'est vraiment. Ils nous disent tout le temps, je suis la petite araignée du quartier, comme dans Spider-Man. Il est jamais chez lui, ce fils de pute, il est toujours en vacances. Il est toujours. Allez, vas-y, classe, on va à Washington, classe, on va en Europe, classe, on va dans l'espace. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Peter? Ah, je suis en vacances aussi, dans Avengers là. C'était pas ouf. Moi, je trouve que c'était quand même une approche plus moderne. Il ne pouvait pas avoir systématiquement les mêmes problèmes qu'avant. Parce qu'on l'avait déjà raconté en fait. C'était pas pareil. Là, j'avais l'impression de plus de voir un Spider-Man plutôt dans l'air du temps, tu vois, limite qui se met sur les réseaux sociaux, qui fait n'importe quoi. Les problèmes inhérents à Spider-Man, comme par exemple sa tante qui ne sait pas payer ses factures, c'est actuel, hein, tu vois. Ouais. C'est juste, ça a déjà été raconté dans le film. C'était pas important, tu vois. Moi, limite, ça, je m'en fous, en fait. La tante May, c'est qu'un détail, on la voit quasiment jamais. C'est pas la tante May, c'est le mais même le contexte. Il devrait avoir un petit job. S'il a un petit job, ça change déjà beaucoup le truc. Ouais, mais le fait qu'il ait pas le temps.
Ils sont soutenus par Tony Stark. Mais c'est ça, justement. Vous le voir intervenir dans le quartier. Jamais il fait rien. Et là, il sauve personne. Si, à un moment, il arrête un petit braquage de merde. Mais justement. C'est ça. Ça finit mal, quand même, le braquage de merde. Parce que tout ce qu'il fait, ça finit quasiment mal, à chaque fois, en fait. Non, faut pas. Ah, merde, je confonds. Tu sais, avec la laverie, moi, et puis les trucs laser. Ah, peut-être, ça part un couille. À chaque fois qu'il fait un truc, ça part en steak. Bon, bref, Spider-Man n'était pas très engageant. Le prochain, c'est Thor Ragnarok. Nul à chier. Nul à chier. Ah, Ragnarok, pardon. J'étais monde des ténèbres, je sais pas pourquoi. Non, mais il était bien, Ragnarok. Nul à chier. Sympathique. Ragnarok, c'est très bien. Sauf que pareil, on est en train de déconstruire le perso de Thor. Puis après, Infinity War, on en reviendra. Bah, on lui remet un marteau. On lui remet un œil. C'est un petit peu relou. Et puis le ton du film est un peu. Oui, on s'en fout, on lui remet un œil quand même. Le ton du film est un peu. Enfin, c'est en fait, Asgard est détruit. Mais elle a toute faim. C'est ça en fait. Là en ce moment, ils sont obligés tellement de courir après les films, de maintenant de faire les liens entre tous les films, etc. Tu peux pas tout faire et puis ça bidouille quoi. Je trouve qu'on commence à sentir véritablement la bidouille. Le fait que si on fait ça dans Avengers, on peut plus le mettre. Hein. Bah tu sais, on commence vraiment à sentir les bidouilles. C'est ça. Après, moi j'ai kiffé le Power Up de Thor, tu vois. Oui. J'ai kiffé, j'ai bien aimé Ella, la voir, tu vois, c'était sympa. Ella J'ai bien aimé la destruction de Mjolnir, t'étais là. En vrai, la destruction Mais en vrai, le film, il avait quand même une vibe Gardien de la Galaxie. C'est vrai, ça. Ouf. C'est pour ça que tu dis, je pensais que c'était James Gunn. Donc j'ai fait mais par contre, un truc qui m'a brisé le cœur, c'est que du coup, je savais qu'il n'y aurait jamais un planète Hulk. Ah putain, ouais, ça, c'était horrible. Alors qu'en fait, les événements, même, tu m'aurais dit, bon, Hulk, il est un peu trop dangereux après l'ère d'Ultron. Ouais. Parce que Planète Hulk, c'est une dinguerie cosmique. Pour dire un peu, c'est Hulk. Il est trop dangereux. Du coup, t'as le grand conseil des intellectuels, donc Black Panther, Iron Man. Les Illuminati. Il envoie sur une autre planète, dans un vaisseau qui doit aller sur une autre planète. Il se réveille. À la base, il est censé partir sur une planète où il y a que des petites fleurs, des petits animaux. Et en fait, il se réveille, il défonce son vaisseau, il s'écrase sur une planète. Sur Sakaar, comme Sakaar. C'est la même planète. Ouais, et c'est le bordel. Et il dit, bon bah. J'ai pas envie qu'on me fasse chier. Ça carre en couille. Et ça devient un vrai anti-héros et ça devient le roi de la planète. Bon, après, il a un peu résumé. Bah, c'est très résumé. Mais c'est très intéressant. Ouais, ouais. Pareil, il y a d'abord les combats dans l'arène. Et là, il se fera tromper. Oui, c'est ça. Au début, ça devient un esclave. Mais à la fin. Et en fait, après, Hulk prend le pas sur Bruce Banner. Donc, Hulk devient sa propre personnalité. Il peut parler, c'est par mongol et tout. Et en fait, il a une femme et un gosse. Non, mais c'est plus juste Hulk. Non, mais ça explique pourquoi. Ah, merde, je parlais sur World War Hulk. Autant pour moi. Ouais, parce qu'après, ça devient le roi de la planète, quoi. Ça devient le roi de la planète, ouais. Je trouve par contre aussi, je sais pas, c'est à partir de la phase 2, je trouve qu'ils ont commencé à vraiment assumer les costumes. Le côté comics, ouais. Le côté vraiment comics, ils ont commencé véritablement à l'assumer. On entend Hulk quand même faire Hulk smash, tu vois, avant de gagner le sol et tout. Ouais, ouais. Rien à voir avec les costumes, du coup. Les attaques, le délire comics, tu vois. On commence maintenant, là, en train de parler de multivers. Regardez par exemple, de clin d'œil directement aux comics, j'ai l'impression. Non, mais même au-delà du clin d'œil, ça y est, maintenant la veuve rouge là, la sorcière rouge, ça y est, elle a vraiment costume quoi, tu vois. Moi je me rappelle d'une période où Wolverine n'avait jamais de costume rose, jaune. Et puis à un moment il ouvre une petite valise, on le voit, on a un petit ah, mais ils l'assument pas jusqu'au bout. C'est parce que ouais, à l'époque c'était devenu regarde Deadpool ce qu'ils en ont fait avec Wolverine, tu vois, et maintenant aujourd'hui on commence vraiment, je trouve, à c'est là que ça c'est ils ont appris à moderniser les costumes aussi, hein, de toute façon. Ouais, mais ils ont commencé vraiment à assumer et je trouve que c'est vraiment cool. C'est voilà vrai. C'était petit truc prochain. Ragnarok, rien d'autre à dire ? Franchement, ça a été bien pour toi. On a quand même eu un petit planète Hulk quand même. Ouais, il y a eu un mini Hulk en dehors d'un Avenger. C'était pas sympa. Il y a eu la reine, il y a eu le combat, etc. C'est ça. Et puis c'est même un peu marrant, je trouve, la scène, tu vois, où tu vois Hulk qui s'échauffe et tout. Moi, je trouve En fait, c'est aussi, il y a les autres aliens qui sont potes avec Thor, du coup, cette fois, mais qui sont censés être les compagnons d'armes d'Hulk. On voit, la vie, il trouve toujours son chemin. Jeff Goldblum, on le voit, il y a un rôle dedans. Ouais. Black Panther. Mais rétrospectivement, elle est pas ouf en fait. Mais non, mais c'est rétrospectivement, en fait, il est très bien. Mais c'est un énième film d'un nouveau super-héros. C'est bon là. C'est un énième film de nouveau super-héros. Moi, j'ai bien aimé parce que en vrai, l'imagerie africaine dans un blockbuster, j'avoue, qui parle pas de problèmes, Darfour machin, c'était plutôt rafraîchissant. C'était un truc. Ouais, en fait, l'Afrique, c'est stylé. Un peu raciste ce film quand même.
pour un voir. Peu xénophobe. Ouais, non, mais c'est vrai, coup, Victor. Oui. Un peu xéno, le film. Oui, c'est vrai que. Franchement, il y a un mec. C'est vrai, là, on va éviter la glissade. Mais il y a un moment, il y a un mec, le pote là, de Black Panther, il fait non, mais si les étrangers ils viennent, leur problème, ça devient notre problème. Putain, tu la sors dans un autre film, dans un autre contexte. C'est chaud comme ça. Ouais, non, mais justement, c'est ça qui est. Je trouve que c'est plutôt un propos intéressant. Mais après, moi, pour tout ce qui est le folklore du film, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et puis, ça fait bizarre de voir un blockbuster, la moitié du casting, on dirait tes cousins. Sans faire. En vrai, c'est toujours vrai. Tu prends chaque personnage, putain, on dirait Tata machin. Là, je pense qu'on se faisait la réflexion. Et Okoye, putain, on dirait ma mère avec 10 ans de moins. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien au-delà. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien, non seulement tu vois, à la communauté. Ça s'est vu sur les réseaux et tout. Bien sûr. Et je trouve que c'était vraiment cool d'amener ça. Et puis en plus, ça a amené, je trouve, un esthétisme à la série très européenne, très américaine, etc. Là, t'as vu des costumes, ils étaient magnifiques. On a vu des musiques, des musiques typées musique africaine, etc. Et franchement. Le côté tribal faisait pas ringard, tu vois. Non, il était même stylé. Mais je trouve qu'en fait, vraiment, était très bien, tu vois, ce film, au-delà d'être un énième film de super-héros, je trouve qu'il a amené finalement un folklore qui a été rafraîchissant. Parce que justement, aussi, ça parle pas spécialement de super-héros à la base, tu vois. Local et tout, donc c'est très. Si tu regardes l'histoire, c'est un peu le Roi Lion. C'est le Roi Lion inversé. Je trouvais que c'était un peu raciste, alors pour je ne sais pas. Je prends la balle, je prends la carte. Voilà, je le passe Navigo. Mais il y a vraiment une scène, tu vois. Mais après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une vraie dimension dramatique dans le film. Ouais. Je trouve, moi, le moment où ils sont dans le pays des rêves, où il parle à son père qui devient gamin, tu m'as pas beaucoup pleuré. Je fais, c'est la rue. Qui fait Simba. C'est triste. J'étais pas bien. Et même quand Black Panther, il va voir ses ancêtres, il fait, vous avez tort et tout. Je trouve que ça, émotionnellement, ça marchait. Tu vois. Non, c'est trop bien. C'est la première fois que j'étais. Bon, j'ai pas encore une chialée, il se passe un truc. Après, c'est sûr que ça reste un film de super-héros et le méchant était cool. Le combat final était un peu osef, j'ai trouvé. Combat final un peu osef parce que c'était deux trucs en CGI. Le premier combat était mieux, tu vois, le combat où T'Challa perd. Je préfère un combat de sans armure. T'étais obligé de foutre le costume, quoi. Ouais. Faut vendre des jouets et puis en plus, c'est le. Non, mais au-delà de ça, en plus, c'est les costumes, c'est tout. C'est Black. Et franchement, pour reparler de ça, je trouve que le film faisait pas spécialement. Woke JW, tu vois, c'était dans la retenue, tu vois, c'était vas-y, on te montre l'Afrique et tout, c'est cool, mais on n'est pas là, genre, les blancs c'est des méchants, patriarcat, et finalement, c'était juste en fait. Et c'est ça qui est parfait, c'est que malgré tout, ça l'a fait en fait, tu vois, le message est passé qu'ils ont cherché à faire une bonne histoire avant de dire machin. Et ils ont réussi à le relier. C'est-à-dire aux autres, alors que. Ce côté. Dans le côté, vous étiez où pendant. C'est ça. Merde, quoi. Et avec toutes les histoires de pas d'adamantium, de vibranium. Bon, très très cool. Nouveau film. Enfin, la suite, quoi. Une anecdote, non ? Oui. Infinity War. C'était le suivant, Infinity War. Très très bon, Infinity War. Infinity War, je trouve qu'il est meilleur qu'Endgame. Ah oui, il n'y a pas photo. J'adore Endgame, mais Infinity War. Infinity War, c'est quand même vraiment. Là, tu dis, on s'est tapé 40 films pour ça, quoi. Il y avait le côté vraiment la récompense. Voilà, c'est la conclusion. On voit la conclusion, et on voit surtout, Thanos. Thanos, on s'y attendait pas. Hein. Franchement, on l'avait vu 5 ans avant. Non, 3 ans avant. C'est ça, c'est l'aboutissement quand même de presque 10 ans de cinéma, je crois, même plus. Et quel aboutissement. Rendement mené. Je retourne sur Thanos. C'est peut-être le premier vrai méchant vraiment mémorable. Bon, après, il y a eu. Comment il s'appelle ? Killmonger. Mais en fait, Thanos, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de faire un personnage vraiment stylé, un peu humain. Parce que du squelette, vous voyez juste sur sa chaise, enfin, c'est faire sourire démoniaque, comme le Dr. Mad. On n'est pas fixé encore sur le design. Et puis là, tu le vois débarquer dans la scène d'ouverture. Il met une rousse à Hulk. Et c'est ça, il bute Loki. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est là où on commence à se dire, mais c'est fini après. Parce qu'il fera rien de mieux, quoi. Ouais, après, vous avez peut-être la culture manga. À moins de te ramener Galactus derrière, c'est baisé, tu vois. Mais Galactus, finalement, on l'a plus ou moins vu dans le médiocre. Fantastic Four, c'est l'or d'argent. Plus la merde. C'était vraiment pas ouf, quoi. Mais tu vois, Galactus, il n'y aura toujours pas de bagarre. Tu vois, il n'y aura pas de points. Il n'y aura pas de points. Et là, qu'est-ce qu'ils vont. Et puis, bon, après, on va passer sur Endgame.
comment ils vont faire. Bah moi, je me suis vraiment posé la question, comment ils vont faire. Bah, il y a des pistes. Bah, ça fait une heure qu'on fait qu'une rétrospective, mais on va faire deux heures. On y va après. Thanos, mon dieu. Mais même pas la main noire, comment il l'appelle, si c'est la main noire, c'est garde. L'ordre noir, je crois. L'ordre noir. Très, très stylé. Il ressemble un peu à Styx. Ils ont été nerfs de ouf, par contre. Ils ont été très nerfs. Il n'y a jamais sur Terre Black Widow bat Corvus Glaive. C'est pas possible. Ouais, mais bon, Black Widow, il y avait un film après. Il y avait un film. Ouais, mais jamais. Mais c'est stylé de les avoir. Ça arrive pas. La bataille du Wakanda. La bataille du Wakanda. Incroyable. Il est bombé. C'est incroyable. C'est stylé. C'est vraiment incroyable. Franchement, en fait, c'est le film, c'est qu'une montée en puissance, en fait. C'est tout ça. Le film. Il y a pas vraiment de temps mort. Oui, à la fin, on va en parler, mais il y a pas vraiment de temps mort dans le film, alors que d'habitude dans les autres, même les autres aventures, il y a toujours un petit ventre mou, tu vois, comme on dit. Ça fait ça fait que monter. Et après, la fin. Et tout marche. Mais il y a quand même un moment où ça m'a un peu décroché. Ouais. C'est ce qui crée le gros problème. C'est un moment où c'est hyper stylé où ils sont sur Titan, je crois, ou une ligne de Titan. Ouais. Et ils commencent à choper tous Thanos en même temps et tout. Et t'as Star-Lord qui fait le con. Bah oui, mais il fallait forcément qu'il y en ait un qui fasse le con. Mais ouais, mais c'est. J'ai trouvé que c'était tellement gros. Mais après, bon, la fin. Même le truc avec Doctor Strange qui voit le film d'après, toi, il fait 14 millions, machin, et on gagne combien? 14 milliards, je crois. Même le combat Iron Man Thanos, là, en mode Fireboy, il est trop stylé. Et la prochaine fois qu'il me balance une lune sur moi, ça va mal se passer. Franchement, pareil, ils nous ont sorti les mises en scène. Même la bande-annonce. Moi, je me souviens toujours des films par rapport aux bandes-annonces. La bande-annonce, c'était génial. Oui. La bande-annonce, il finit, Thanos, il fait « Oh putain, ça y est !» Mais la bande-annonce, il nous avait baité tout. Bah, il y avait Hulk et tout. Enfin, il y avait Pas. Mais même juste Thanos qui fait péter une lune. Par contre, ils ont quand même bien nerf les pierres d'infinité. Bah, il fallait. En même temps, ils sont obligés. Ils ont un peu Thanos, je crois. Par rapport Thanos de base, 1v1 versus Hulk, il s'en sort, hein, de base. Faut le choper, Thanos, même sans les pierres, il faut l'attraper. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais voilà, parce que normalement dans le comics, ça fait longtemps que j'ai pas sorti, normalement dans le comics, l'histoire de Thanos commence comme ça, parce qu'il a chopé les pierres d'infinité, il veut impressionner la mort, parce que la mort est physiquement... Il est personnifié. Et il fait, bon, pour te rendre hommage, je vais tuer la moitié de l'univers. Fait, hop, la moitié est là, il n'y a pas de machin, tout disparaît. Tu vois. Parce que c'est vrai que l'objectif de... Bon, après, c'est le titan fou, mais l'objectif de Thanos... Là, ils ont réinventé le personnage, hein, complètement. Je me permets, parce que là, je suis sûr, on peut retenir une heure rien qu'à parler de ce film-là. Ouais. Est-ce qu'on passerait à l'étape suivante? On est tous d'accord. Non, moi, je veux juste être médisant. Vas-y. Le truc de Thanos de, 50%, enfin, il y a trop de gens dans l'univers et pas assez de ressources. Qui fait que certains étaient là, oh, il est gris, son objectif est loin, mais ferme ta gueule, t'es tout con, c'est les gens qui disent ça. Non, mais on s'en fout. Ça a été expliqué le truc, pourquoi il a pas doublé les ressources, c'est expliqué dans l'Éternel. Et puis même, dans tous les cas, on s'en fout. C'est ça le repas gris en fait. Oui. Non, mais dans tous les cas, on s'en fout. Là, tu t'es fait cette réflexion-là post-film, pendant le film, t'étais dedans. Quoi. Mais bien sûr, mais la fin, faut vous parler de la fin, la fin est incroyable. Ouais, la fin, elle est incroyable parce qu'elle est violente. Je me sens pas bien. Elle est vraiment forte, elle est vraiment violente et ça termine quand même sur un échec. Mais moi, j'étais là, c'est parce qu'avant, on avait eu tout ce qui était Star Wars. Tu sais que c'est des suites, les Avengers, enfin même les films Marvel. Mais là, on avait vraiment. C'est pas partie 1, partie 2, tu vois. Non, c'est Infinity War et tu sais qu'il va falloir attendre Endgame et qu'il y aura un film entre les deux. C'était ma Captain Marvel, on va y arriver. Mais, ouais. Et pareil. Genre, je me suis dit, j'ai pas vu combien de temps, d'accord, on va devoir attendre une année complète? Non, il est sorti 6 mois après, je crois. Non, oui, pas 6 mois. Ah, il est sorti la même année. Un peu plus de 6 mois. Il sortait à peu près la même année. Ouais. Bref, moi j'étais trop comme un fou. Mais c'est pas la fin et tout, avec Spider-Man qui tombe en vous, machin. La moitié des gens. La scène de la mort de Spider-Man était quand même assez ouf. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait gaffe, mais le Spider-Sense qui part en couille. Il se passe un truc. En vrai, moi, bon bah voilà, on va passer au prochain, mais à la post-générique de Infinity War, t'as Nick Fury qui va mourir et qui te sort une espèce de beeper. Ouais. Et on reconnaît. Bon, les fans avaient reconnu le logo de Captain Marvel. Et du coup, là, t'étais là, miam miam. Et donc on arrive Captain Marvel, les gars. Ah putain. Bon, déjà ça se passe pas après Infinity War. Ça se passe dans les années 90, donc bon, ça se passe avant, donc ça devient la première Avenger. En fait c'est vraiment pas ouf. Alors que Captain America s'appelle First Avenger. Mais je trouve que ça ramène quand même la race. C'est le premier Avenger si c'est de Captain toujours Captain America premier Avenger, mais ils avaient dit qu'en fait le nom, en fait c'est ouais, là, ouais. C'est là qu'il va, excuse-moi de t'avoir coupé. C'est là où là ce qu'ils ont réussi avec Black Panther de faire un truc qui parle de sujets importants sans être trop dans le machin. Je trouve qu'ils ont complètement foiré avec Captain Marvel. Parce que Captain Marvel, du début à la fin, c'est un truc. Les hommes, c'est des connards. Elle est la plus forte de tous. C'est Brie Larson. Tout l'univers Marvel, c'est grâce à elle, en fait. Tout tire grâce à elle. C'est un peu ça. Or que le personnage, il sort de nulle part et elle mérite pas son titre. Tu vois. C'est vraiment. C'est, un peu nul.
C'est ça, elle est légitime. Légitimité, voilà, le film de l'illégitime. Excuse-nous, Varro, tu peux. Non, bah, moi je dirais à ça, juste, bon, wokisme, j'en ai rien à foutre, je suis passé totalement à côté, j'ai pas essayé d'analyser ni d'avoir un avis là-dessus. Juste, le personnage est inintéressant, quoi, mais vraiment. Pour ça, justement. Ouais, c'est... non, mais. Je fais aucun lien avec à ça. Cause c'est de juste ça, le personnage moi, tu m'offres un personnage et le personnage n'est pas intéressant. C'est il peut-être à cause de ça, c'est peut-être la source. Power, enfin, mais dans tous les cas, il n'est pas intéressant. Le seul truc intéressant que ce film amène, je trouve que c'est la race mère. Je ne me rappelle plus. Les Skrulls. Les Métamorphes, ouais. Les Skrulls, que moi j'ai découvert grâce à la série animée Hulk. Mais les Skrulls, c'est ce qui va arriver probablement pour l'arc suivant. Quoi, tu vois, ça va être une série apparemment, ça va pas être dans les films. Ah ouais, ça va pas être dans les films. C'est dommage parce que vraiment, les Skrulls, c'est assez une dinguerie, je trouve. Les Skrulls, c'est cool. Les Skrulls, c'est une dinguerie, mais oui, en effet, le film est un peu osé. Et le problème, c'est que le personnage il traverse le film et il a aucun. Elle est power-up depuis le début en fait. Mais ouais, c'est ça, même quand elle est. En fait, j'étais bridé. Comprendre par le patriarcat. Il enlève le truc, elle est super power, elle nique tout le monde. Et en fait, depuis le début, depuis. En fait, en plus, c'est son pouvoir à la par accident. Du coup, elle traverse le film en mode easy, trop facile, machin. Du coup, le personnage n'est pas du tout intéressant. Le film est même antipathique. Elle est assez antipathique. J'aime sa réapparition dans Avengers. Après, c'était oui, mais il y a d'autres gens qui souffrent dans l'univers. Ouais, voilà, ils ont voulu trop la faire. Bah oui, trop. Ils ont essayé de trop survendre le personnage. Alors que s'ils avaient pris le temps de nous raconter un peu comme un Tony Stark, on dit ouais, mais Tony Stark aussi, il est arrogant. Ouais, mais Tony Stark, il a passé 6 mois dans une cave. Tu vois. Non, mais dans tous les cas, je la gêne pas. Voilà, aussi. Il a fait des trucs dans la vie. L'autre, elle est là, je suis la meilleure. Le patriarcat ne passera pas. Je suis désolé, mais c'est ça le film. Non, mais peut-être. Mais dans tous les cas, le film n'est pas intéressant. Le personnage est assez pas antipathique. Et peut-être qu'elle a des pouvoirs stylés en plus. Oui, oui. À voir ce qu'ils vont en faire. Mais pour l'instant, c'est un échec. Et avant de passer au climax de presque 15 ans de film, je veux juste une petite parenthèse. Parce que normalement, il est dans la MCU. C'est le deuxième. L'incroyable Hulk, on n'en a pas du tout. Bon, on n'a pas parlé. On a parlé vite fait. On a parlé de la fin générique. Ah bah oui, je suis con. Et en plus, je trouve que Captain Marvel, il a cartonné de ouf. Parce qu'il a surfé vraiment sur la fin d'Infinity War. Ouais, exactement. Je vous reste persuadé que le film serait sorti indépendamment tout seul. C'est ça. Ça aurait pas été un gros succès. Il a fait plus d'un milliard. Mais c'est parce qu'Infinity War, il a pavé d'or. Bah oui, parce que ça va être la suite. En fait, non. Bon, je vous laisse parler d'Endgame. Endgame, en fait, moins bon. Ouais, d'accord, mais parce que, moins bon, ouais. Mais quand même incroyable. Et puis, il y a des scènes marquantes. En fait, c'est ça, on en parlait il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, je crois. Les répliques cultes et les scènes cultes, en fait, même si on a aimé ces films-là, il n'y en a pas des masses. Oui. Et je pense que t'enlèves Iron Man du casting de tous les films, bah, franchement, il n'y a plus de répliques cultes, déjà. C'est pas vrai. Et t'enlèves sa scène de fin où la boucle est bouclée, finalement. Bah, c'était trop beau, quoi. Moi, il y a eu des larmes, quoi. Tu vois, j'ai pas chialé parce que je suis un vrai bonhomme. Mais vraiment, j'ai vu des salles, j'ai vu dans la salle où j'étais là, j'ai entendu des nez renifler. Ça a marché. Et contrairement à Infinity War qui était une montée en puissance permanente, je trouve qu'Endgame, il fait ça. Après, on se fait chier pendant une heure et demie. Et à la fin, ça devient ouf, tu vois. Ouais. Mais après, encore une fois, il y a le côté on finit la boucle, mais il y a quand même une bonne heure et demie qui est un peu chiante, où c'est Marvel qui s'autosuce. C'est ça. Tu l'as vu, ce film-là. Et celui-là, tu l'as vu. Et celui-là, tu l'as vu. C'est pour toi. Ça, c'est pour toi, public. C'est pour toi. Cadeau. Mais après, il y a des scènes qui fonctionnent quand même. Moi, le cap qui soulève Mjolnir. Et qui fait Avenger Assemble. Qui fait comment? Énorme. Avenger Assemble. Là j'étais fou, je fais oh les fils de pute, oh les bâtards, meilleur film du monde. J'étais là, oh, j'ai vu cette scène en vrai au cinéma, j'y croyais pas, j'étais traumatisé. J'ai un peu été la pute du film sur ce. J'étais la pute du film, mais après je l'ai vu 5-6 fois depuis, il y a clairement un ventre. Je l'ai pas revu, il y a 1h30, on se fait un peu chier. Moi je trouve que le Je suis Iron Man est parfait, quoi. Énorme aussi. Parce que l'intro elle est traumatisante, ils arrivent, on va se venger de Thanos et tout, décapitation, j'ai visé la tête, clair d'œil, tout ça, puis en fait on a quand même perdu. Et là, Très très bien, la boucle est bouclée. Et en plus, c'était la première fois qu'on avait un film qui n'annonçait pas forcément un truc. Il n'y avait pas de truc teasé en fait. Le teaser a été fait. Il n'y avait pas de scène de pro-générique. Dans Endgame je crois qu'il n'y avait pas de scène de pro-générique. Ils avaient fait exprès parce que en fait, c'est la fin, quoi. En fait, ils auraient pu arrêter le MCU là en fait. Ouais. Sauf que le dernier film de cette phase officiellement c'est Spider-Man, je crois. Attends, Victor, il nous a pas parlé de Endgame. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je l'ai détesté. Détesté Endgame. Vas-y, Endgame. Vas-y, balance. J'ai surkiffé à Infinity War, c'était mon film préféré du MCU et un de mes films préférés tout court, tellement c'était un rêve de gosse. Et Endgame, oh putain, déjà ils ont tué Hulk. Ah oui, parce que Hulk il se prend une branlée. Mais ouais. Il se prend une branlée, tu le revois plus jamais. Il y a un Bruce Banner qui dit ouais, j'ai combattu Hulk.
Non, okay, c'est pas il a fait la il a mélangé les deux. Ouais, donc ça se passe hors screen. Il y a pas de match retour avec Thanos. Il y a pas de match retour, c'est vrai. Mais il a plus de bras après. Le seul truc, c'était dans la. Faire un match retour avant. C'était dans la bande d'annonce, on avait vu Hawkeye Ronin. Bon, finalement. Ouais, c'est vrai que Hawkeye Ronin, il est pas sympa à la trappe. Et le voyage temporel. Hein. J'avoue, ça c'est un peu. Tout... Bah, le ventre c'est là, mou, c'est que fait, ça. Hein. C'est peut-être parti trop comics. Moi, je trouve que c'est parti trop comics. Ça se passe mal. Ils ont quand même réussi à faire des grosses. Mais. Ouais, okay. Mais c'est expliqué en et fait, c'est des timelines alternatives. Oui, oui, mais même. Déjà, normalement, en plus, c'est. Bon, enfin, encore une fois, dans le comics, désolé d'être sûr. Les pierres d'infinité marchent que dans leur univers de base. C'est ça. Donc, déjà, c'est. Ouais, c'est dans les films aussi, hein. T'as vu la série Loki. Non, non, elles marchent toujours, les pierres. C'est juste qu'elles sont inopérantes dans le TVA. Ah, ok. Mais en vrai, elles marchent. Mais ok, ok, c'est des univers parallèles et tout, mais ça veut dire que dans l'univers parallèle, il y a Thor, il a perdu son Mjolnir pendant 5 jours. Non, s'il revient pile poil après. Oui, non, mais voilà, mais c'est des trucs comme ça, c'est. Bah après les voyages dans le temps, si tu commences à réfléchir, il y a même oui, Retour vers le futur, c'est pas de goût. C'est trop. Je trouvais que c'était trop. C'est toute la partie où ils sont au sus en fait. C'est voyages bah pour venir du futur. Moi j'étais déjà très refroidi, mais c'est vrai que bon, il y a Captain America qui prend Mjolnir. On le sait que dans, bon, les fans de comics ils connaissent 15 personnes qui prennent Mjolnir. Oui, oui. Mais. On fait la liste, allez, liste. Liste Spider-Man. Non, il y a Hulk hein, par exemple. Captain Marvel peut le porter aussi maintenant. Black Widow, elle peut. Voilà. Black Widow peut pas. Bah non, c'est une espionne, elle a buté des gens, c'est une pute. Bah elle y arrive dans les comics. Elle arrive à porter Mjolnir. Ouais. Ah d'accord, bon, allez, ah, tout, d'accord. Tout fout le camp. Bon, bref. Elle a pas d'âme, mais non, mais voilà. Et après, il y a. Donc forcément, ça m'a fait kiffer, mais les Est-ce batailles, elles étaient pas si ouf comparées à celui d'avant. Ah, c'est. Il y a l'arrivée, et l'arrivée de Captain Marvel, mais c'est une. Bah, c'est le Deus Ex Machina, encore une fois. C'est elle arrive, elle détruit un vaisseau, elle encule Thanos. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mérité quoi, c'est juste c'est illégitime. Juste poubelle. Ouais, mais je trouve que l'énorme mandale qu'elle se prend par Thanos vers la fin, ah, c'était satisfaisant. Il y a des scènes où les gens ils applaudissent. Tu as vu la vidéo? Oui, là, oui, oui. Là, ils applaudissent. Ouais, le problème c'est que vous détestez cette personne. Captain Marvel se fait allumer par Thanos, c'était génial. Moi j'ai kiffé. Thanos, tu le vois enfourner Hulk, tu le vois faire un 1v6, Doctor Strange, Spider-Man, Iron Man. Non, mais il avait les pierres à ce moment-là. Il avait deux pierres. Mais mec, il quand même, oui. Non, non, mais attends, il est presque plus cheaté avec son épée en je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, il en met une dérouillée pas possible avec son épée. Quand il les défonce tous tout seul, là. Oui, oui, non, t'as raison. Il y a aussi, et autant dans Infinity War, je l'avais bien kiffé, le Black Widow, j'oublie toujours son nom à la wakandaise. Okoye. Okoye et même Wanda. Et Wanda. Alors que Wanda, je déteste ce perso. Et autant la scène Girl Power d'Endgame, je la trouvais un peu forcée, longue. Ouais, c'est vraiment. Regardez. Non mais regardez. C'était. Autant l'autre, c'était trois personnages. Là, c'était montrez-nous tout le casting parce qu'ils viennent de Rez. Je veux dire, on part à Pepper Potts, machin. Il y a juste Spider-Man qui passe. C'était un peu forcé. Bon, après voilà. ça m'a pas sorti du film. Ah ouais. Ça va. Mais moi, j'ai même pas la ref là, donc. Mais si, à un moment, il y a toutes les figures. Non, non, mais j'entends, mais j'ai, j'avais pas la ref quoi. Tu vois, ah oui, c'est vrai qu'ils font ça, mais tu vois, ça m'a pas surpris. Ah mais il y a pas de ref. C'est juste, ils veulent nous montrer tout le casting. Oui. Ok. Mais du coup, voilà, et après, ça finit. On perd Captain America, Tony Stark, et je me suis dit, bon bah, c'est fini. Ce sera plus comme avant et. Et je me sentais, mais vraiment. C'est la fin d'une ère. Toi, t'as pas pleuré parce que Iron Man meurt, t'as pleuré parce que putain. C'est la fin du club Dorothée. C'est là, mais non, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi ça se finit comme ça? En vrai, moi j'ai bien aimé. Ah, mais moi, bah ouais, mais je sais, et c'est tant mieux, il y a plein de gens qui ont bien aimé. Mais moi, vraiment, ça m'a fait mal. Parce que vraiment, depuis 2008, le 2018 Infinity War, mais j'étais. Ça faisait 10 ans que je regardais des films, j'étais comme un ouf, 10 ans! Et là, c'est Captain Marvel, Endgame qui est censé clôturer, ça m'a foutu ça un fait mal. Mais qui ne clôture pas vraiment parce qu'il y a un dernier film. Parce qu'il reste Far From un film que j'ai même pas voulu voir. je l'ai vu la veille de quand on est allé voir le dernier Spider-Man. Ah ouais, d'accord. Sur zone téléchargement, je l'ai vu. Et presque. Far From Home. Et bah, avec Jack Gyllenhaal en Mysterio. Far From Bon, on va dire. Donc, ouais, Peter Parker qui est encore l'araignée du quartier, mais on sait pas si c'est à Venise, ouais, à Paris, là, à Vélo. Worldwide. Ouais, c'est. Et encore une fois, son problème c'est. Oh merde, Tony Stark m'a laissé tous ses jouets. Oh, ah là. Zut. Bah, bon, j'ai peur pour draguer des meufs. C'est vrai qu'il c'est ça son problème. C'est vrai qu'il veut draguer des meufs. Mais mec, dans Infinity War, mais la scène où Tony Parker il a. Tony Parker. Tony P. Il sort son album. C'était mal, mais love. Qui mange un steak de la taille de la Croatie. Non, avec son armure, gros.
Sa tenue armurée, non mais vraiment c'était trop bien Infinity War. Pourquoi on parle de ces films d'après quoi? Non mais si, Far From, il était pas si mauvais. Mais non, mais il est nul à chier. J'ai pas dit qu'il était mauvais. Bah, il est mauvais. J'aimais beaucoup le super vilain et l'acteur qu'il incarnait, donc c'est le seul truc vraiment positif que je retire du film. Mais attends, mais mec. Non mais c'est pas bien. Il a rencontré un gars en une demi-heure et il dit bon, si je te donnais l'arme la plus puissante de la planète. Parce que je préfère aller niquer, c'est ça. C'est ça, mais en plus, c'est que la ça. Gonzesse dans... Non, Far From Home qu'il a pécho. Elle fait, mais je savais que t'étais Spider-Man. Ouais, non, bah, pas ouf sur 20. Et voilà. il a trop de thunes, il a trop de gadgets, il a trop de tout. Hein. Bah, je veux dire, il arrive dans le car, il a un. Je veux dire, ça commence par filer le contrôle du monde. Hein. Ouais, oui, non, mais vas-y, on va refaire le. On va avoir le même discours qu'avec le Spider-Man. Il y a ce schisme-là. Il y a trop de thunes. On arrive enfin, il a des thunes et il fait que de la merde avec. On arrive franchement au cœur du sujet, du coup, après 1h30 d'introduction. Ça y est. C'était enfin. Est-ce que le titre de la vidéo. On changera le titre de la vidéo, peut-être. Est-ce que le dernier bon film était Infinity War? Du coup, phase 4, c'est ça? Et après, 4. Ça passe en phase 4. Ah, il y a Ant-Man 2 aussi. Qui est, ouais, mais bon, on s'en bat pas. Ouais, on a. C'est entre... pas vu, non, c'est vrai que c'est juste après Infinity War, Ant-Man et la guerre. Ant-Man 2, on s'en bat les couilles. Je l'ai vu, mais en fait, il se passe avant et c'est là où ça te met que Ant-Man il est coincé dans le. Ouais, même Black Widow, inutile d'en parler véritablement. Black Widow, il est en phase 4. Il est en phase 4, du coup. Ouais, mais inutile d'en parler. Ouais, nul à chier. Bah, du coup, on va en parler généralement de tout ça. Mais du coup, phase 4, on a les séries, donc WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki. Loki. Ensuite, on a le Black Widow, Loki, Shang-Chi, donc deuxième film. Shang-Chi était vachement bien. On a les What If. Ouais. Bah, en fait, là, en fait, j'ai pas envie de faire une rétrospective. Je me permets. Eternals. Vous me dites c'est une bonne idée, au pire, je coupe au montage. Mais grosso modo, le délire, j'aimerais bien là qu'on commence à dire bon, ça va être quoi du coup? L'avenir. Est-ce qu'on arrivera? Quels sont les super-héros? Parce qu'on va pas parler de Wanda, de Loki, mec, on en a pour deux heures. Il y a eu un dernier Spider-Man qui a fait un peu plus de bruit, par contre, qui avait remonté un peu la hype. Hein. Mais voilà, mais... Bah, qu'est-ce que amène tout ce qui est nouveau, donc qu'est-ce qu'amène cette série Loki, qu'est-ce qu'amène Wanda, elle amène vraiment un nouveau super-héros un peu stylé. Moi personnellement, si je peux prendre la parole, je pense que les séries apportent rien du tout. Ah, elle amène, non mais elle apporte rien, mais elle amène quand même des nouveaux super-héros, notamment Captain Falcon. Oui. Wanda, qui va vraiment avoir un rôle. Falcon devient Captain America, donc c'est ça. Falcon. Donc bon, tout, vraiment, elle amène en fait finalement la nouvelle Avenger Team. Et est-ce que cette nouvelle Avenger Team, elle manque pas un petit Iron Man et un petit Captain America? Il y a pas de tête d'affiche. On voit un peu déjà ce côté, hein. C'est à la fin d'Endgame qu'ils se font Iron Man. Mais Spider-Man, personne n'a. Il sera plus dans les Avengers, Spider-Man. Bah oui, du coup, oui. C'est baisé, hein. C'est baisé pour Spider-Man. Mais non, mais c'est déjà à la fin de Endgame qu'on commence à voir cette... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on savait que ça allait suivre, peut-être, cette Avengers Team avec Falcon et tout. Mais c'est quoi, alors, la nouvelle team? On récapitule un peu? On sait pas. On sait Captain Marvel, c'est sûr. On sait les héros qui restent. Donc pour les héros qui restent, du Captain coup, Black Panther, il y a une interrogation de ouf. Parce que l'acteur est malheureusement mort. Spider-Man avec No Way Home, a priori, il sera pas dans les Avengers. Non, voilà. C'est fini. A priori. Il nous reste Hulk, a priori, il est plus ou moins en retraite. She-Hulk. On verra avec She-Hulk. Ah, parce qu'ils ont un... Ils vont faire la série She-Hulk. En vrai, il y a Captain Marvel. Il reste les Gardiens de la Galaxie. Captain Marvel, aussi. Un personnage que tout le monde déteste. Captain Falcon, un personnage aux F-tiers. Après, il y a Okai est fini. Okai, c'est retraite. Ah oui, c'est fini. Va peut-être avoir sa copine là. Je sais plus comment elle s'appelle. La jeune, Bishop. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Comment il je sais que tu le déplaces, mais moi, elle apprend Okai. Je l'ai trouvé gaulerie. Donc, il y a. Ah, c'est vrai, autant pour moi. Donc, il y a Okai, un personnage qui est dans une série. Et puis, autant moi, je l'ai trouvé sympathique, mais ça va être un Okai 2. Donc, ça veut dire pas de pouvoir, rien du tout. En vrai, pareil, elle mérite rien, elle. Elle est juste une gosse de riche avec un arc. C'est ça, oui, bien sûr, mais j'ai trouvé le personnage sympathique. Avec les gosses de riche qui font toujours à l'arc. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Non, mais si, t'as fait un club de tir à l'arc ou de poney, t'es riche. Quoi. Déjà poney ou t'es riche. Moi, en tant que pauvre, je te garantis, avec le foot et puis c'est tout. Et la pétanque, mais sur un terrain, c'est ça. Non, pétanque, ouais. Ben voilà. Et puis il y a tous ceux qui sont pas morts. Il y a War Machine qui est encore là. Ouais, mais War Machine. On s'en bat les couilles de War Machine. Voilà. C'est le nouvel Iron Man. Il va y avoir une série sur War Machine. Armor Wars. Non mais voilà, en fait c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a aucun. Il y a Ant-Man. Il y a plus de tête d'affiche à part Thor. Mais c'est vrai qu'il y a plus de tête d'affiche. Mais il va dégager, il va plus être Thor. Si, il va rester Thor. Je crois qu'il va y avoir la femelle Thor. Mais non, mais il va avoir les deux en même temps. Et bah oui. Il y a les Gardiens de la Galaxie. À part. Les Gardiens de la Galaxie, on ne les verra pas sur Terre. C'est ça. Ouais, ils ont jamais vraiment. Sauf si la prochaine menace est vraiment d'ordre cosmique, et a priori la prochaine menace ce serait qui a été teasée du coup dans Loki, donc ça sert pas à rien. Ce serait Kang le Conquérant. Et ça, c'est plutôt cool.
Et ça, ça peut être cool parce qu'en vrai, le personnage dans Loki, il est c'est plutôt stylé. C'est qui mais j'ai pas aimé la série Loki. J'ai beaucoup aimé la série Loki. Mais le personnage, bah, c'est pas Kang, c'est Immortus du coup, mais c'est un variant de Kang. Voilà. Et en fait, tu te rends compte que Rick et Morty, ils ont rien inventé. C'est clairement l'histoire de Rick et Morty. Mais Rick et Morty, c'est incroyable. Ouais, ouais, mais l'histoire de Kang, c'est Rick et Morty. Mais il y a pas, voilà. Excusez-moi, là, c'est vraiment. Il y avait aussi le tueur de dieu, j'ai oublié son nom. Le tueur de dieu. Ça, c'est un méchant, ça. C'est oui. Ouais, mais ça sera le méchant de Thor 4. Juste Thor 4. Kratos. Ouais, ah, comment il s'appelle The God Butcher, là. Comment il s'appelle ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est qui le... C'est Christian Bale. Christian Bale, voilà. En tout cas, le méchant, je trouve qu'il y a un potentiel, tu vois, le grand méchant, la promesse du grand méchant, en tout cas, ce qu'on a vu à travers Loki. Moi, je dis, franchement, il peut faire un contre un contre... Peut-être, ouais, ouais, ouais. Peut-être. Il peut, franchement, il peut tester Thanos. Tu vois ce que je veux dire, en termes de charisme. C'est un film de super-héros, pas un film de super méchant. Non mais, oui, mais tout ça pour te dire que oui, méchant, mais... franchement, Aladdin serait pas Aladdin sans Jafar. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que un grand méchant, c'est ultra badass. Implique de grandes responsabilités. Ouais. Mais en super héros, j'ai l'impression qu'il y a plus, il y a et pas on de remplaçant. Docteur Strange, j'en ai oublié Docteur Strange. Docteur Strange. Docteur Strange, il peut carry la team. On l'a vu déjà dans What If. Je sais pas si vous avez regardé What If. Non, qui je les ai pas regardés. C'est vrai qu'il y a Docteur Strange suprême. C'est un Docteur Strange qui a mal tourné, qui a pris du machin. Il est OP de ouf, tu vois. Ouais. Et apparemment, il sera dans le Multiverse of Madness. Ouais. Je parle en termes de popularité ouais. Et en termes de charisme, etc. Parce qu'au-delà des pouvoirs et de leurs compétences, etc., en vrai, il y a Captain Marvel. Mais tout le monde s'en fout. Personne ne l'aime. Les compétences. Voilà. Personne ne l'aime, mais à part Doctor Strange. C'est ça, les compétences sont quand même importantes parce que là, on est vraiment sur des non, mais, super militaires, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je te parle en termes de. On parle de Avengers, oui. Le futur d'Avengers, pas le futur de l'histoire. Non, mais, c'est le futur de la gloire, du cinéma, est-ce que non, les super-héros à l'avenir. Mais justement, c'est que tu peux faire des personnages stylés en super-soldat, mais ce sera jamais des super-héros. Quoi. Ouais, tu les verras jamais comme des super-héros. Et ça, c'est les compétences qui sont. Il y a le chevalier noir qui a été tixé. Franchement, bas les couilles. Ouais, tout le monde s'en fout. Mais bas les couilles. Blade. Déjà, même Éternel. Les Éternels. Alors, j'adore Blade. Alors j'adore Blade. Ils vont mettre Blade. Le Chevalier Noir, c'est pas Moon Knight dont tu parles ? Non, non, c'est... il va y avoir le Black Chevalier Knight. Noir. Aussi okay. Ouais. Moon Knight, mais Moon Knight, on sait qu'il n'est pas dans Avengers. Bah tu vois. Quel intérêt. Bah surtout que si c'est pas la pleine lune. Bref, donc il sert à rien en fait. Donc. Bah en fait ouais il y a plus de il y a moi il y a il y, y, y a en fait il y a plus rien, y a plus de personnages suffisamment populaires pour le public j'ai l'impression à part Doctor Strange mais de suffisamment populaires et suffisamment forts pour se taper contre le grand méchant en vrai, et ouais. Là c'est pour ça que je suis très inquiet moi pour la suite inquiet, mais après le prochain film Avengers ça va être Secret Wars ouais dans le comics dans le comics bah, je pense que ça va être lié avec Multiverse of Madness parce qu'il y a des rumeurs de dingue je ferai peut-être une vidéo dessus sur les rumeurs de Multiverse of Madness apparemment il y aura du Charles Xavier il va avoir du... bah pas le Charles Xavier genre les X-Men il paraît qu'il y aura du Fantastic il y aura du Red Richard il y aura les Illuminati parce qu'ils sortent un petit X-Men un petit Wolverine je pense qu'un Wolverine il peut rattraper tout quoi. Il y aura du Charles Xavier il y aura du Tobey Maguire paraît-il ils veulent faire un film 4 Fantastique, je crois. Peut-être, mais apparemment, il y a quand même un Reed Richards. Oui, oui. Je sais pas lequel ce sera. Ça peut être un nouveau personnage. Il y aura du Reed Richards, il y aura du Docteur Strange parallèle. Donc, apparemment, il va y avoir un gros bordel multiversel. Et Secret Wars, c'est très très lié avec la notion de multiverse un petit peu. Ouais. Parce qu'à la base, dans la première histoire, c'est le Beyonder, je crois. Je sais plus. Beyond. Bah, t'as un grand méchant, il se dit tiens, on se fait chier. Non, c'est deux grosses entités, je crois. Je crois qu'ils sont je sais plus qui c'est. Ils se font chier. Et puis, je crois qu'il y a peut-être le. Est-ce que ça va pas être lié avec ceux d'Eternal? Peut-être, je ne sais ce pas. Ce sera dur de refoutre le collectif. Oui, non, mais à la base, dans le comic, j'ai dit ça, mais après, je ne sais pas si c'était vraiment lui. Il kidnappe les héros de différentes timelines, dimensions, et ils le mettent sur le Battle World. Et ils font une équipe vilain, une équipe gentille. Foutez-vous sur la gueule. À la base, c'est ça. Ouais. C'est pas après, là il y a eu un deuxième. Il y a le Venom, non. Normalement, oui, c'est là que Spider-Man a le Venom. C'est la culture la comics, ma gueule. Et il y a le deuxième qui est un peu plus récent, qui va certainement être plus inspiré de ça, où c'est encore un peu le même délire, où là, je crois que c'est le multivers qui s'éteint. Et à chaque fois, en fait, t'arrives, t'as deux mondes contre deux mondes. Okay, et il y en a un qui doit survivre. Et à la fin, ils se retrouvent tous sur un seul monde, si je me souviens bien. Hein. Et puis après, Goku... Ouais, il n'y a pas Goku. Et en fait, ça a servi de prétexte à mélanger l'univers Marvel 616, le Marvel classique, avec l'univers... je sais plus c'est quoi le numéro de l'univers Ultimate, on s'en fout. Avec l'univers Ultimate, ce qui fait que Miles Morales est dans le même univers que Peter Parker, enfin que le Peter Parker classique. Mm-hmm. Et un truc comme ça. Donc, j'ai pas pensé à Miles Morales. C'est donc on peut imaginer que le prochain Secret Wars, ça va être un moyen de reboot un petit peu parce que l'univers Marvel. Si Tom Holland se barre, je pense que Miles Morales, avec l'animé Spider-Man. Tom Holland. Non mais il sera pas dans l'Avengers. Il va le former. Mais un Miles Morales.
Je pense qu'il peut surtout remplacer plus, un Peter Parker. Ils ont introduit Venom aussi, donc avec Spider-Man, ils ont moyen de faire des trucs. Vous avez vu Venom 2 ? Non, mais Venom dans le MCU. Dans le MCU. Donc, Secret War, ça peut être une putain de dinguerie fan service. Hein. Parce que imagine, ils arrivent à te faire re-rentrer les X-Men. Parce que les X-Men, tu sais, au mieux de se faire chier, rebooter les X-Men, ils prennent les X-Men de la Fox. Bon, en espérant qu'ils mettent un billet à Hugh Jackman, il va revenir, t'inquiète pas. Il avait dit qu'il reviendrait pour eux. Non, et après, il y a quelques années, il a dit non, mais le train est passé. Ça va être dur de remplacer. En vrai, tu me mets les X-Men originales du film de la Fox, qui sont tous vivants encore. Hein. Frank et Jameson, bon, ils ont pris une claque, mais ils sont toujours là, tu vois. T'arrives à me faire une bataille où t'as les X-Men contre les Avengers. Tu peux recaster. Mais le film, il va tout niquer. En vrai, tu peux recaster les X-Men. Ah ouais, mais No Way Home, il marche. No Way Home, il marche parce qu'il y a pas Tobey Maguire. Les années 2000 Tu parles ? Ouais. Ou ceux de... Non, les années 2000. Non, mais X-Men, c'est tout. X-Men 1. Bon, tu peux plus reprendre Xavier, déjà. Il y a Patrick Stewart, apparemment, dans Multiverse of Madness. Patrick Stewart, non, mais là, il commence à devenir vieux sa mère, mais quoi, justement, faut en profiter. Après, il sera plus mûr. C'est comme les caméos de Stanley, là, faut les tourner. Ouais. Et McKellen aussi. Mais il commence à devenir ultra vieux. Moi, je pense qu'il peut recaster les X-Men. Et s'il recaste les X-Men, franchement, un Cyclope, un Tornade, un Wolverine, je pense que ça les couille. Il n'y aura pas l'effet... Et moi, je veux voir un Hulk contre Hugh Jackman. Franchement, il n'y a pas Hugh Jackman. Ça me ferait ça va être très dur de reprendre le rôle de Wolverine. Mais tu lui mets un petit costume jaune, là. Tu vois Et ben, franchement, le bien son cul. Voilà, tu vois jaune et bleu. Snicked. Mais vraiment, en vrai, je pense que, tu vois, ouais, tu mets un gros gars avec un gros cigare. Et le même, costume même, jaune, il peut éclipser. Un gros cigare. Secret War, Multiverse, tu peux faire revenir Tony Stark. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire revenir Captain America. Genre, vas-y, dans un éclair, t'as Captain America qui arrive avant, lui, il rassemble, les gens, ils se branlent. D'ailleurs, dans Multiverse of Madness, il y a apparemment une rumeur qui semble assez sérieuse, comme quoi Tom Cruise va jouer un Tony Stark alternatif. Pourquoi pas ? Parce qu'à la base, Tom Cruise aurait dû jouer Tony Stark. Un scientologue ? Pourquoi pas ? Mais, on va croire aux Xenou. Tout ça pour te dire que sans même parler de refaire revenir Iron Man, etc., je pense que, ouais, un petit cast de X-Men, un petit Miles Morales, etc. Peut commencer à... Ouais, ça n'a jamais été ouf, les 4 Fantastiques. Non, mais ouais. Mais au final, je me rends compte que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est refaire venir des trucs. C'est un peu triste, finalement. Ouais, mais en fait, c'est amené. Soit en fait, ils vont jouer là-dessus, soit ils vont repartir sur des trucs nouveaux. Mais encore une fois, il va falloir trouver... parce que moi, un MCU sur Shang-Chi, j'y crois pas. Bah, avec la team là, oui, non. Ça parce que Shang-Chi, il est cool. Hein. Et en plus, ils l'ont cheaté. Ils ont super bien réinventé les 10 anneaux. C'est vraiment les 10 anneaux, c'est un délire à la Thanos, en vrai. Ah ouais, ils font le Kamehameha et tout. Non, mais les bastons, c'est Dragon Ball. Hein. Ouais, c'est vraiment bien, quand je pense à Dragon Ball Evolution. Bah, en fait, j'ai le démon. Ça m'attriste vraiment. J'ai le venin. J'ai vraiment préféré les combats du début du film. Quoi. À la Jackie Chan, etc. Ouais, ouais, mais après, quand même, quoi, ça balance des grosses boules d'énergie. C'est stylé. Autant Shang-Chi, le personnage est cool, mais c'est pas un Tony Stark. Non. C'est pas un Steve Rogers, c'est pas un Thor. Mais par contre, un Miles Morales, un Wolverine. Miles Morales, ça pourrait être cool, mais tu vois, franchement, Miles Morales, pour moi, c'est pareil, c'est la petite araignée du quartier, tu vas porter les aventures. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est pas faux. Mais bah, ce que vous dites là, c'est bien. Il est encore plus petit que Peter Parker, pour le coup. En plus, ouais. Miles Morales. Et c'est que moi, c'était ma réflexion, tu vois, après la déception, la douche froide et tout. C'est ma réflexion. Non, c'est pas de réflexion. C'est ma direction. Ma direction, pardon, ouais, pardon. C'est que. Alors, What If, là, c'est justement, j'ai pas vu tous les épisodes. C'est pas bien. Bah, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce qu'en fait, un des gros trucs des comics, et là surtout qu'on a le multiverse, en fait, les comics What If sont pas bien non plus. Hein. Non, non, mais. Oui, non, mais les What If, c'est pas bien, mais c'est que. Dans les comics, on a le multivers, et donc la possibilité de faire différentes origines ou des univers où ça se passe différemment. Je vais prendre genre Old Man Logan, en fait. Ouais. Le monde, il y a les méchants qu'ils ont gagné là. Et c'est un Omens Land à la Mad Max et tout. Et genre, par exemple, il y a Fatalis, il a son pays, il a grandi. Il y a Hulk, il fait des bébés consanguins, machin. Il possède toute l'Amérique du Nord. Ça devient un gros redneck. C'est ça, il possède toute l'Amérique du Nord. Et genre, en fait, Old Man Logan, c'est un road trip chez les méchants, quoi. Pour aller buter Hulk parce qu'ils ont mangé sa famille. Non, c'est à toute la fin. C'est pour aller livrer un colis pour Hulk. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'ils avaient Hulk. Mais non, c'est oui, c'est quand il rentre Hulk a mangé. Et après il a un bébé Hulk en mode bébé Yoda. Ouais. À la fin. Mais du coup ouais, les What If avec le multivers et tout, pourquoi pas, tu vois, dire on reprend des personnes, on peut faire revenir des personnages et en fait voir d'autres horizons parce que c'est vrai que la team aujourd'hui elle ouais, va faire mais des personnes. On retournerait sur les mêmes trucs quoi, ça tournerait un peu en boucle. Bah, après, jusqu'à quand ça va durer en fait, c'est que j'ai l'impression que les films interconnectés ça va pas vendre. C'est une impasse. J'ai envie de voir des. Pourtant, c'est le projet de Disney de faire ça avec Star Wars. Bah, bien sûr.
Quoi ? Mais... Bah ouais. Toi, t'as pas vu les séries Star Wars. Ah, avec les séries Star, j'ai vu tu me parlais de Marvel, Star Wars. Mais non, non. Multivers, c'est possible. Multivers, c'est possible. Mais là, voilà, moi, ce que j'espère, c'est que ça va partir sur... Certes, ils sont dans le même univers, mais ça va être des licences solo, tu vois. Bah là, les films prévus cette année. Vas-y. Il y a Doctor Strange. Ouais, ça va être bien, ça sera la NES. Black Panther, Wakanda Forever. Ouais, ça, on sait même pas ça être cool. Mais ça, là. Thor. En plus, à chaque fois, toutes les semaines, il y a une news. Oui, le tournage a été retardé à cause de machines. Ouais, il faut pas se vacciner. Ouais. Thor, Love and Thunder. Ouais. Morbius. Morbius, c'est Sony, ça. Ouais, non, mais je te parle. Ah, d'accord. Après, c'est Sony. Et après, il y a Spider-Man, Across in Spider-Verse, le film que j'attends le plus, c'est un animé. Ouais, pareil, c'est pas un animé, c'est pas. Non, c'est Sony. Mais t'as pas plein, encore, t'as bon, alors je sais pas si c'est cette année, mais t'as aussi genre Quantum Mania de Ant-Man. Comment on s'en bat les couilles de Quantum Mania. Ouais, ça fait penser à Koum Koum Mania. The Marvels 2. The Marvels, ça ouais, c'est Captain Marvel 2. Alors, ils ont rien à faire avec le personnage, ils vont rajouter des nouveaux. Et le Gardien de la Galaxie Holiday spécial. Mais alors, non, ça c'est. C'est un truc plus spécial Noël, c'est pas ça. Vrai films. Il y aura Gardien de la Galaxie. Mais voilà, moi, c'est soit ils arrivent à me mettre une claque. Et ils me font bander, mais ça va être un truc. Non, mais ça va être totalement différent. La vraie question, c'est il y a une hype avec tout ce que je viens de vous annoncer là ? En vrai, non. Bah, ouais, ils sont pris leur premier beat depuis longtemps, Marvel. Thor et Gardien de la Galaxie. Ils sont pris leur premier beat depuis longtemps avec les Éternels. Ah ouais ? Ouais, et je me suis endormi devant. Putain, ça m'étonne. J'ai pas été voir au cinéma du coup, mais en vrai, Éternel. Ah non, c'était pas ouf. Qu'est-ce que ça fout là, quoi ? Ça explique juste que pourquoi Thanos n'a pas doublé les ressources au lieu de. Et c'est pourquoi du coup, parce que j'ai pas vu. Parce qu'en fait Thanos, si j'ai bien compris la théorie, parce qu'en fait dans au cœur de la Terre il y a un Éternel dedans. Enfin il y a un, comment ça s'appelle, les trucs géants, c'est pas les célestes. Un céleste. C'est des gros robots géants en fait, et les planètes servent d'œufs à ces trucs là. Ouais. Et au bout d'un moment, quand ta population de ta planète la civilisation se développe suffisamment, il y a assez d'énergie pour provoquer l'émergence, c'est-à-dire que la planète explose, puis il y a un nouveau céleste qui apparaît. Donc Thanos a détruit ça pour sauver l'univers en fait. Que si les ressources continuent machin à grandir, non seulement les gens vont massacrer la dalle, mais en plus bah, la plupart des planètes habitées se seraient transformées en céleste. D'accord, ok. Donc voilà. Ça rend Thanos encore plus. Mais non, ça justifie le plan Thanos après. Si cette théorie est vraie après. En hype, il n'y a que des suites. Hein. Doctor Strange, Gardien de la Galaxie, Thor. Ouais, mais Gardien de la Galaxie, c'est pour voir ce qu'ils vont faire. Ah bah non, ils sont déjà sortis. Mais en hype, En hype. Ouais, il n'y a plus rien, moi. Thor, t'as envie de voir ce qui te vient. Encore Thor 3, je dis hype, mais c'est pour être joli. En vrai, je vais aller le voir. Et justement, en fait, dans les hype... En vrai, bah après Thor Ragnarok, est-ce qu'il a fait dans Infinity War ? Il y a moyen, tu vois. Puis voir, bon, ça se trouve, il va nous sortir. Eh, regardez, j'ai fait de la muscu. Je me suis remis en forme. Naturel, pas naturel ? Mais surtout si ça part sur un truc un peu cosmique. En fait, c'est vraiment voir ce que sont devenus les personnages. Ouais. Bah, je pense pareil, que tu vois, les gardiens de la galaxie sont Gamora. Ils vont pas pouvoir s'empêcher de sortir un nouveau. Voilà, le nouveau super-héros, il va avoir la nouvelle film qui va être annoncé. Et peut-être. Moi, miser sur un Shang-Chi. Et par exemple, Doctor Strange, en vrai, moi, je suis mi-chaud, tu vois, avec les histoires de multivers et tout maintenant. Je suis mi-cuit. Mais voilà, il y a moyen que ce soit un banger, il y a moyen que ce soit une déception. Mais du coup, la question de fond qu'on avait, c'est est-ce que Marvel arrivera à nous ressortir un nouvel âge d'or. Est-ce qu'ils vont réussir à recréer ce qu'ils ont fait avec l'âge d'or est passé aujourd'hui, on se le dit. Moi, je pense que l'âge d'or est passé, oui, mais il peut y en avoir un nouveau. Mais là, actuellement, moi, je pense qu'ils ont juste le gros méchant pour l'instant. Ça fait 3 ans, je vois pas le bout du tunnel. Ça fait 3 ans. Bah, il y a No Way Home qui bouge. Ça va être fan service. Ils ont toutes les licences avant. On pouvait pas avoir d'X-Men parce que machin, maintenant ils les ont tous. Donc, forcément, ça va être la festival de la saucisse. Le truc, ça va être un truc de ouf. J'attends les annonces. Ça veut pas dire que ça sera bien, mais en termes de fan service, déjà, il y a des gens qui kiffent The Book of Boba Fett parce qu'à un moment tu vois Luke Skywalker sont incroyable, alors que la série est quand même merdique. Tu mets Hugh Jackman, il t'encule Luke Skywalker, tu vois, je veux dire, oh mon dieu, c'est un truc de fou. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y aura pas de nouvel âge d'or de moi, MCU, ça fait 3 ans que soit je me fais chier, soit mais je me encore le DCU. Ouais, mais par contre, j'ai juste une chose. Il y a comment ça, il y a encore, il n'y a pas encore. Je pense que le MCU, par contre, il pourrait se renouveler, pas au cinéma, mais avec d'autres médias, notamment les jeux vidéo. Parce que Marvel, ils sont en train de faire des vrais jeux vidéo, ils sont en train de faire un Spider-Verse là en jeu vidéo, et il y aura peut-être même un genre Wolverine qui va être annoncé. Ouais, mais c'est pas le MCU.
Non, mais ça, ça, ils, ils vont renouveler. Oui, mais Marvel se renouvelle tout le temps. Mais moi, on parle du MCU. C'est vrai, mais c'est comme si je te parlais d'animation. Parce qu'en animation, ils sont claqués au sol. Bon, ils ont fait Spider-Man, mais. Oui, mais imagine si la suite du MCU, ça se fera par exemple en jeu en film d'animation. Ouais, bon, donc ça veut dire que la réponse serait non. En fait, ils vont pas savoir se renouveler. Ils en ont encore 10 ans, puis c'est fini. Bah, parce que déjà, vraiment. 10 ans, mais je te dis, ça fait 3 ans que soit on s'emmerde, soit on se fait chier. C'est vrai, mais ça marche. Je te trouve gentil. Mais ça marche. Soit c'est de la merde. Ça marche. Mais Shang-Chi, ça marche parce que c'est dans les réserves presque. Non, mais Shang-Chi, on s'est pas fait chier, mais c'est de la merde. Ouais, c'est pas un film de ouf. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. C'est cool, mais c'est pour... Non, non. Mais dans le MCU en lui-même, oui, c'est vrai que ça. Parce que c'est bidon, mais tu enlèves Shang-Chi et tu mets un super-héros qu'on aime bien. Et ben là, oui, ça devient vraiment un bon film parce qu'on est content de le voir. Mais là, Shang-Chi, personne ne le connaît en fait. Est-ce qu'il y a un héros que vous voyez dans le Marvel qui pourrait émerger? Silver d'argent? Ah. Moi, je pense un peu peut-être à la Nova Corp, mais c'est dur de la mettre. C'est Nova Corp. C'est dur de la mettre. Ouais, Silver d'Argent, Hot Planet. Mais en fait, moi, il faudrait que ce soit un super-héros terrien, en fait. Le seul truc qui pourrait refaire... Là, il n'est pas terrien, Silver d'Argent. Ouais. Bah, pour recréer, il est terrien, je pense, mais... Moi, ce serait les X-Men. Non, il n'est pas terrien du tout. Les X-Men, il vient refaire les X-Men. Oui, oui, mais dans le MCU, c'est pas possible. Silver d'Argent, il n'est pas terrien. Ghost Rider. Non, il n'est pas terrien. En vrai, Ghost Rider, un bon Ghost Rider. Ils l'ont déjà fait dans le MCU avec l'Agent of S.H.I.E.L.D. Ah bon? Silver Surfer, il est pas du tout terrien. Ouais, il est pas du tout, c'est un extraterrestre, il se fait détruire sa planète. Il est... Dans le comics, il est enfermé sur Terre. Voilà, non, et il y a Galactus qui arrive, non, il non, dit non, c'est, ah, c'est moi qui me gourre, c'est moi qui me gourre. Tu détruis pas ma planète. Héros terrien. Mais en vrai, il faudrait faire des Marvel, mais à hauteur d'homme, quoi. Tout ce qui est Daredevil, tout ça, il y a moyen de faire des trucs. Bah oui, mais tu fais pas les Avengers autour de Daredevil. Oui, et c'est ça qu'ils vont faire avec Moon Knight. Ouais. Et ça pourrait être vraiment bien. Mais par contre, Avengers. C'est fini quoi. Avengers, je pense que pour c'est moi, c'est fini. Mais c'est... Captain America. Bah, même si tu remplaces Captain America avec le Falcon, je suis désolé, il a pas le. Bah, il y a pas de pouvoir. Il y a pas l'aura quoi. Il y a pas l'aura. Il y a pas l'aura. Et du coup, ouais, je voulais juste. Et Marie. Man. Man. Putain, l'aura, Marie. Ouais, j'allais rebondir là-dessus justement. Là, on avait les séries Netflix Marvel. Qui sont pas ouf. Oui. Qui pour la plupart sont nulles même. Ouais. Et dis les termes, exprime-toi. Et bon, elles sont retirées à la fin du mois d'ailleurs. Ah non, les séries Marvel Netflix, pardon. Ouais. Ah non, Daredevil, elles sont bien. Bah, à part Daredevil, même Punisher. Ah ouais. Bon, Punisher, c'est pas du tout Punisher. Punisher récent et Luke Cage, saison 1. C'est alors. Batman, hein, Punisher. Il y a Iron Fist aussi. Oui, non, mais Iron on Fist. Parle de bons trucs. Non, parce que Iron Fist n'a jamais existé. C'est Fist tout court. Ah ouais, pas bien. Ah bah, il est en fer, il est froid. Hein. Oh, le mec, il chiale tout le temps, il sait pas se battre. Je veux de l'amour. Et même moi, tu mets face à Iron Fist, j'ai mes chances. Hein. Il sait pas se battre. Il perd tous ses combats, ce bâtard. Mais non, et du coup. Donc, ouais, repartir peut-être sur ce modèle de série à échelle humaine. Mais j'ai l'impression que dès qu'on va y avoir une... Bah pareil pour l'X-Men, tu vois. Dès qu'il va y avoir une menace planétaire, on va plus y croire du tout. On va plus être... Non, c'est sûr, moi, il y a Galactus qui débarque, je vais pas appeler d'art de vie. Faut qu'ils arrêtent les menaces planétaires. Je vais l'entendre. Mais donc, on est d'accord. Parce que, par exemple, c'est dans Far From Home, Mysterio, c'est pas loin d'une menace planétaire. Hein. En vrai. Ouais, vite fait, ouais. Et... Ouais, je crois pas. C'est comme dans Hawkeye, à la fin, ça se passe à deux rues de là où habite Peter Parker. Ouais, c'est ça. Non, je suis en RTT. Mais tout mec. Le temps, tout le temps. Non, mais le MCU, en vrai, pour moi, il est fini. Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter. Ouais. Mais tu dis ça, mais dans tous les films Spider-Man, il n'y a pas de super-héros. Hein. Bah, il y a Iron Man. Hein, non, il y a Spider-Man. Dans, hein. Ouais, il y a Iron Man qui retire le jouet. Dans le 2, il y a le Shield quand même qui est là, tu vois. Ah ouais? C'est vrai que les autres. Et puis, il est en Angleterre. Là, d'accord, il faut qu'il prenne le jet Falcon pour venir, tu vois. Mais le temps qu'ils arrivent, la bataille est finie, on est d'accord. Mais là, je veux dire, dans Hawkeye, franchement, on voit à la fin de From Home, il habite à deux rues. Déjà la fin de... près du Rockefeller Center. Tu vois Peter Parker sort de chez lui, il fait chouic chouic, il passe au-dessus du sapin, et la bataille de finale d'Hawkeye se passe rue de Hawkeye. Qu'est-ce sapin, qu'ils ont fait au Caïd? Oh là là, le drame. Ah, le drame absolu. J'espère qu'il est vraiment pas mort. D'ailleurs, ouais, ils vont faire une série Echo. Je sais même pas ils ont. C'est bon, t'as résumé. Voilà, t'as bien résumé. C'est une meuf sourde avec une jambe de bois. Ils vont faire une série. C'est vraiment les pires arguments que j'ai jamais entendu de ma vie. Mais en vrai, normalement, elle a un pouvoir, c'est qu'elle peut, imiter les techniques des gens. Mais même avec ça, t'en bats les couilles d'écho. On s'en bat les couilles d'écho, mais absolument pas parce qu'elle est sourde ou a une jambe de bois. Mais non, mais c'est parce que le personnage. C'est le personnage et pour le coup, un peu. Moi, je me souviens juste d'histoire, on va se taper Wolverine, c'est tout. Tu vois, le reste, ouais. On s'en bat les yeux, je m'en fous quoi. On va faire une série Echo, ça, c'est juste pour la représentativité. Donc pourquoi pas, peut-être que la série sera bien, mais de base, ça me fait pas bander. Hein. Mais en vrai, bah, voilà, tu vois, le seul truc que je vois de l'univers Marvel, c'est l'X-Men, et l'X-Men, c'est toujours un problème de par rapport où ils sont dans le monde. Voilà, tu peux pas mettre les X-Men dans le MCU, ça passe pas. C'est ça, mais je vois trop mal un héros. Mais même déjà,
X-Men déjà dans l'univers Marvel. Non, mais c'est ce que je dis. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment à part. Oui, mais Cyclope, ah, c'est un mutant. Spider-Man, non, ça va, c'est une araignée. Ça passe. Hulk, ouais, mais. Bah, Hulk, personne va l'emmerder. Naturel. Pour lui, Hulk, personne va le chauffer. Oui, mais voilà. Qui localise le truc. C'est comme tu disais, l'Angleterre et tout, il n'y a pas eu de truc, mais peut-être qu'ils les foutent là. Mais des vrais bails, genre mutants, même dans le pays, on le sait. À cause de ce qui s'est passé avec tous les trucs, hop, il se passe des nouvelles choses et hop, il y a des mutants. En fait, tu n'aurais pas la question de. De se dire, ouais, ils vont être. Genre tout ça, c'est débile. Oui, mais peut-être pas, mais genre, admettons, je sais pas, Tony Stark, il a ramené tout le monde, mais il y a eu un quoi, quand ils sont revenus, en fait, maintenant, il y a des mutants à cause de ça. Ils ont essayé de faire ça avec Agent of Shield, même si Agent of Shield, je crois que c'est plus vraiment canon par rapport au MCU, avec les inhumains, mais. Ouais, non, moi, je pense que MCU finit, et par contre, qui va vraiment devenir à la mode, c'est les séries Daredevil. C'est, tu sais, c'est les films, le film Spawn, chant que, tu vois... Mais c'est pas Marvel. Non, mais c'est pas Marvel, mais je te parle de super-héros. Ah, d'accord. Ouais, les films super-héros, je pense que pour moi, c'est fini. Mais il va avoir une petite hype qui va durer peut-être 5-6 ans, où il va avoir des Daredevil qu'on va kiffer, des Moon Knight, où c'est les méchants qui tapent des gueules et qui protègent qu'une rue, quoi. Je pense pas que les films de super-héros soient finis, mais que le fait que vouloir tout tout le monde soit interconnecté... Je pense que Avengers, ça c'est foutu. Ça peut pas. Le fait que ce soit planétaire, que... C'est un impact planétaire chez les jeux. Est-ce que ça résonne chez les autres séries en fait. Reboot. Mais ça, mais reboot, en plus, c'est les multivers. C'est ta fin, Secret War, t'en as pas pendant 10 ans. Et puis hop, ça y est, on recast Tony Stark. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que j'allais dire ça en plus. Ils vont attendre 10 ans. Et là, mais imagine, parce que le MCU V2, là, ça va être le vrai MCU pour le coup. Parce que là, du coup, ils pourront mettre les X-Men, ils pourront mettre les Fantastic Four, ils pourront mettre Spider-Man de base. C'est vrai que, avec ce que tu dis, je pars un peu moins défaitiste sur le MCU. Parce qu'il faut voir sur le long terme. Moi, je pense que MCU, on va avoir des petites séries aux F, comme tu dis. Mais franchement, moi, je pense que tu fais une pause de 5-10 ans. On va avoir un âge sombre. Ouais, mais il va falloir quand même. C'est comme pour Star Wars. Dans 10 piges, on a une nouvelle trilogie Star Wars, c'est obligé, tu vois. Mais c'est vrai que là, on va devoir en durer, hein, je pense. On va devoir, je pense que l'âge sombre commence pour moi, là. C'est ça. Mais c'est vraiment pas impossible qu'en effet, dans 10 ans, Spider-Man et Iron Man 1 à l'affiche, tu vois. Ouais. C'est vraiment pas impossible. C'est ce que je ferais, parce que si on est dans l'exploitation de licence, que c'est Disney, c'est le côté héritage. D'ailleurs, je pense qu'on va conclure là-dessus. Dans tous les cas, Disney a aux ressources d'attendre encore. Voilà, donc. Non, mais de toute façon, ils peuvent tourner sur la licence, même sans produire de contenu. Vas-y, on va faire un parc X-Men, on va faire un parc machin. Ils ont moyen de faire de la moula sans faire de jeux. Les jouets. Donc là, dans 10 ans. Les jeux, pour l'instant, ils sont un peu. Le New MCU, tu vas voir, ça va être annoncé. Ça pourrait être bien. Même pas, c'est reboot, tu vois. Ouais, et puis après, on oublie tout. Quoi. C'est MCU tout court. Ouais, ça pourrait être MCU, bien. MCU, sens bien. Je sens que t'aimes bien le New. Ouais, je l'entends. Parce qu'en plus, c'est parce qu'ils ont fait les New Avengers. Va mettre un petit brevet là. Disney, ils vont vouloir te le racheter. Voilà, est-ce qu'on a une conclusion là-dessus? Bah, moi, c'est. Je pense que t'as un peu conclu, moi, ce que j'en pense. C'est qu'est-ce que je peux espérer du MCU? Dans tous les cas, je pense qu'on sera consommateur parce qu'on est des putains Yankees. Oui, actuellement, je suis plus un Yankee. Là. J'irai voir. Non, mais moi, je te dis, regarde les séries Disney, hein, tu verras. Hein. J'ai pas envie de m'abonner, moi. Mais qui a dit de t'abonner, enfin? Non, moi, je suis abonné. Je regarde pas en illégal, moi, ça me casse. Du coup, moi, pour conclure, je pense que vraiment, ça y est, il y a une vraie fin au film de super-héros. Et puis, on va être vraiment entré dans un creux mou. Mais en effet, c'est vraiment pas impossible que Disney revienne à la charge. Pas au MCU, pas au film de super-héros. Ah, moi je sais pas, parce que voir les westerns, on n'en fait plus, tu vois. Ouais, ouais, vraiment, je pense que les films de super-héros. C'est exceptionnel, tu vois, un western, tu vois. Tu penses. La dernière fois que j'ai vu un western, c'était. Tu vois, franchement, moi j'ai une petite hype pour The Batman là qui arrive. Ouais, mais je te dis, on a encore 10 ans. Ouais, je te dis, Batman, merci. Même Spawn, quand il va sortir, etc. Alors, on le verra pas avant 3 ans, mais ça va être mère, cool. Quoi. Non. Oh, il va bider sa mère. Anti-héros, le charisme du personnage. Spawn, il va bider sa mère. Non, c'est pas du Batman. Peut-être, moi. Tu sais pourquoi il va bider sa mère? Vas-y. Parce que Tom McFarlane, il a un melon comme ça. Bah oui. Et le gars va vouloir tout faire. C'est possible. Bah non, déjà, c'est pas lui le scénariste. C'est pas lui le scénariste, mais ça va être lui le réalisateur. Peut-être. Moi, j'ai peur que Tom McFarlane. Tu vois, même à niveau du spot de 97. Hein. Non, mais bon, bref. Mais dans tous les cas, en fait, anti-héros, ça va être une petite mode de 2-3 ans, là. On le voit avec Moon Knight. Ouais, on a déjà eu la mode des anti-héros. Non, mais ça avec The Dark Knight. Ça revient. Non, c'est vraiment, Moon Knight va tonkar. Vraiment, je le sens. Et puis, Batman, en soi, c'est plus. Maintenant, c'est plus vraiment un truc filmique, tu vois. Batman. Ça y est, ouais. C'est pas vraiment adaptation de comics. En fait, c'est tellement vieux que c'est même plus. Les films Batman existaient avant l'ère qu'on vit. C'est super héros. Oui, mais c'est pas pareil. Mais peut-être qu'avec. Moi, je dis peut-être que si justement. On... Je veux dire, il y a les films de boxe et il y a Rocky. Tu vois, si le MCU là s'éteint un peu pendant les 5-6 prochaines années, peut-être qu'on pourra avoir un DCU à la place. Non, mais dans les 5-6 prochaines années, il s'éteint pas. Il s'éteint pas. Il y a des trucs de prévu. Il va être en. Mais moi, je dis, une fois qu'on aura fait cette phase là,
on n'aura plus rien. Et puis dans 10 piges, genre en 2038, c'est fini. Il y aura peut-être un petit film de super-héros passé par là, mais pas Marvel. Ouais, ça sera... j'y crois pas. Ça va être des films comme Super sur le DCEU. Pas une mythologie, quoi. Ça va durer un quart d'heure, par contre. C'est ça, il n'y aura pas une mythologie, il y aura un petit. Hey, on refait un Spider-Man là, parce que sinon on va perdre les droits. Je force le trait, mais ça va être sale délire. Ça pourrait être. Putain, quelle horreur ça, la Fox qui nous ont fait ça tout le temps à sortir des films. Enfin bref, du coup, la conclusion est plus longue que ce qu'on voulait dire. Bah, la conclusion, c'est que. Ça va terminer le Marvel, mais ça va revenir. Ouais, je pense le Phénix. Je pense qu'on a passé le pic, peut-être qu'on se trompe. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous êtes arrivé jusque-là. C'était un peu long. Si vous avez kiffé le format. Si vous avez kiffé le format, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire aussi. Moi, je pense que les gens vont. Banane en commentaire si vous êtes jusque-là. Banane en commentaire. Banane. Banane. Merci à Varobaz de sa présence et de l'initiative de ce format, parce qu'il faut rendre à César si c'est César, c'est son idée. C'est vous qui m'inspirez. Voilà. À l'amour. À l'amour. Hein, lien dans la description. Bien sûr. Vio sur Twitch. Voilà. Petit chef sur Twitch également. Et puis moi, sur la chaîne Le Chef Otaku, qui a certainement à ce stade déjà passé le million d'abonnés, j'imagine. Je te le souhaite, je te le souhaite. Là. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos de qualité. À bientôt. Au revoir les loulous. Putain, je me dégoûte.